Bonsoir et bienvenue à toutes et tous, bienvenue aux socios de Web Girondins TV, bienvenue à tous les supporters des Girondins et aux autres aussi. Je suis content d'être avec vous ce soir pour un talk avec une émission qui est placée une nouvelle fois sous le signe de l'information, du débat et de l'analyse. Je vous présente l'équipe autour du micro avec tout d'abord, il est un peu dans la pénombre, c'est monsieur Jonathan D'Agostino. Salut Joe. C'est ça, je suis dans le sombre et dans le flou, un peu comme les Girondins de Bordeaux actuellement, toujours, malheureusement. Ouais, ça va, Joe ? Ça va, on reprend tranquillement la semaine, et puis on a un petit match intéressant ce soir quand même, donc on repart à pied au plancher, c'est bien. Exactement, et c'est pour ça qu'on démarre une demi-heure plus tôt, mais je vois que vous êtes au rendez-vous. Monsieur Patrick Gomez est là, salut Patrick, ça va ? Salut Nico, oui, ça va, et toi ? Bah, écoute, ça va, très bien, pas mal. Câble, en forme. Ouais. Salut tout le monde. Et monsieur Geoffroy qui est là avec nous. Geoffroy, il nous fait les quatre à la suite. Bonsoir et bienvenue à toi, Geoffroy. Bonsoir, merci à tous et bonne émission pour tout le monde. Ben, merci, tiens, tu nous souhaites une bonne émission. Ben, merci, souhaitons-nous une bonne émission. Ouais. C'est fini les élections, Nico, c'est bon. On n'est pas sur LinkedIn, la merde. Pardon, j'ai dit un gros mot. Ça démarre fort. Non. Nous sommes en direct sur YouTube, sur Twitch, sur Facebook et bien sûr sur Web Girondin. Pensez à vous abonner à nos réseaux sociaux, à nous suivre sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch. Et par contre, si vous êtes sur Facebook, hop, venez vous abonner à la chaîne YouTube. Comme ça, vous verrez toutes les vidéos. On est presque à 6000 abonnés sur YouTube. C'est formidable. Merci de nous suivre. Merci aux plus de 120 sociaux qui nous suivent. Continuez à nous soutenir, on en a besoin pour maintenir notre liberté de ton, notre liberté de parole, pour débattre de tous les sujets sans tabou. On a besoin de votre soutien, donc on compte sur vous. Je vous envoie d'ailleurs le lien sur les réseaux. Voilà, il suffit de cliquer dessus et vous devenez sociaux. Et comme ça, vous avez une priorité pour prendre la parole. Il y a votre nom générique et plein d'autres choses. J'affiche le sommaire de cette émission sous vos yeux. On va faire une première partie sur l'organigramme avec Admar Lopez, recruteur niveau Ligue des Champions. C'est la question qu'on va se poser. Alors, pourquoi on va parler de cet homme si vous n'avez pas suivi l'actualité des Girondins de Bordeaux? C'est son arrivée a été officialisée au poste de responsable technique, ça y est, j'ai plus le terme, directeur technique des Girondins de Bordeaux. Donc on fera un portrait de cet homme. On parlera d'un deuxième nom qui a été évoqué aujourd'hui par SoFoot, donc on en parlera tout à l'heure. On parlera ensuite de la reprise, parce que c'est demain que les Girondins de Bordeaux reprennent le chemin de l'entraînement, les joueurs et le staff. On fera un point sur l'effectif et sur la valeur de cet effectif. Vous avez certainement vu l'article sur Web Girondin qui a été publié ce week-end à ce sujet. On fera un point mercato, on parlera de Basic, de Maja, qui sont peut-être les deux joueurs susceptibles de quitter rapidement le club. Et on fera un zoom sur Jules Koundé. On en accueillera Marc, qui était déjà venu l'année dernière dans les talks du compte Twitter FC Séville. Séville Football Club France, pardon, et surtout pas FC Séville, il faut bannir ce terme-là. Séville Football Club France qui viendra nous faire un peu, nous donner son avis. Il est au courant de toutes les dernières informations sur le transfert de Jules Koundé parce que Bordeaux est intéressé par ce transfert. Donc on en parlera. Et enfin, pour conclure cette émission qui se terminera à 20h30, on parlera de la DNCG. À quoi faut-il s'attendre pour les Girondins de Bordeaux? Donc on décryptera pour vous, on a décrypté pour vous, j'ai décrypté pour vous les scénarios qui peuvent arriver pour notre club de cœur. Voilà, messieurs. Est-ce que ça vous convient? Beau programme. Très bien. Ça va. C'est dense. Hein. J'ai l'impression qu'on a toujours des programmes très, très denses. Hein. Si vous êtes sur YouTube, comme d'habitude, on envoie du like et on partage la vidéo. Idem si vous êtes sur Facebook. Allez, messieurs, on va attaquer la première partie de cette émission. C'est encore moi qui parle un peu, mais je vais vous donner la parole tout de suite quand même. Admar Lopez, officialisé hier soir par Gérard Lopez, par un communiqué qu'il a envoyé aux médias, qui sera le directeur technique des Girondins de Bordeaux. Avant de rentrer en détail sur ce qu'il a fait, ce qu'il représente, votre avis là-dessus, Joe, je te donne la parole en premier. Mais moi, concrètement, ça m'inquiète un petit peu. Ça me rappelle de mauvais souvenirs. Je ne vais pas
pas le cacher. En plus, on a la rumeur effectivement de Luxoro, de la Roma. On sent qu'il y a une nouvelle mafia un petit peu latino-portugaise là qui va revenir, comme on a vu avec les Masia, les Varela, etc. Moi, ça me rappelle un petit Genre peu tout ça. Hein. Non, mais je dis pas que c'est vrai ce que je dis, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a il y a que les Portugais et les Italiens et les Espagnols qui ont des réseaux maintenant, en fait. Donc, je sais pas pourquoi, alors que je pense qu'il y a d'autres choses à faire ailleurs. Mais on va toujours chercher au même endroit et on a l'impression que les erreurs se reproduisent, en fait, du coup. Donc, bon, Lopez, on sait que de toute façon, il est d'origine espagnole, donc forcément, ça paraît un peu logique aussi en un sens. Mais moi, ça m'inquiète un petit peu parce qu'on sait que c'est une personne qui vient de sa société de scouting. On sait que lors des transferts, il y aura 15 intermédiaires, donc du coup, 15 commissions, bien évidemment, derrière. On sent qu'il est en train de Il mettre en place. attaque fort, Joe. Joe, il Non, attaque mais... fort cette Non, émission. mais on sent qu'il est en train de mettre en place les pions de sa société, voilà, de scouting un petit peu partout là. Et voilà, donc pareil, l'histoire du trading, à un moment donné, il y a quand même beaucoup de concurrence maintenant. Donc il faudrait peut-être essayer, n'empêche, de proposer autre chose aussi que le trading, de ne parler que de ça, parce que maintenant, les clubs qui ont fait ça, qui ont vraiment commencé à faire ça, ça fait des années qu'ils sont en place. Donc maintenant, pour lutter contre eux, ça va être un petit peu compliqué parce que le réseau est quand même bien en place. Et le trading, je pense qu'il y a d'autres choses à faire. Peut-être valoriser un peu plus notre formation aussi. Donc voilà, donc après, effectivement, on voit que c'est effectivement un mec qui a un gros cursus, hein, qui a fait beaucoup, qui a apporté de gros joueurs à Monaco et ailleurs. Maintenant, voilà, moi ça me rappelle de mauvais souvenirs, donc j'attends de voir. Voilà, c'est tout. Je vous affiche le tweet du journaliste de RMC Sport, Nicolas Villas, qui dit à Anouar Lopez à Bordeaux, c'est la Ligue des champions des recruteurs. C'est quand même quelqu'un, Joe, pour aller un peu à contresens de ce que tu dis, qui a la réputation d'être un des meilleurs recruteurs européens. C'est le bras droit de Campos. Il a travaillé avec lui à Porto, à Monaco, à Lille. On voit ce qu'ils ont fait à Lille. Alors oui, il va y avoir beaucoup de mouvement, mais c'est quelqu'un qui a une renommée. Il était courtisé par le Real Madrid avant d'arriver au LOSC. Il avait refusé d'aller au LOSC pour rejoindre Gérard Lopez au Real Madrid. Patrick, t'en penses quoi? Ça dénote déjà de ce que va être le projet des Girondins. Ouais, bah, moi, c'est vrai que je suis pas d'accord avec Joe là-dessus parce que, au contraire, moi, qu'une cellule arrive un peu aboutie déjà, je pense que ça va nous faire gagner du temps. Parce que par rapport à avant où on n'avait rien, au moins là, ils se connaissent. Donc, ils ont déjà travaillé sur des centaines de dossiers sans penser aux Girondins de Bordeaux. Donc, quand on va leur demander deux arrières-gauches, un défenseur central, un milieu défensif et un neuf, ils vont proposer direct 50 noms. Donc pour moi, c'est plutôt, je vois pas comme une mafia, mais comme un réseau. Alors après, est-ce qu'une mafia et un réseau, on s'est très éloigné, on peut en parler pendant des heures. Mais voilà, moi j'espère qu'on retombe pas sur Varela, Masia, Da Grossa. Après que ce soit des Lusitaniens, le problème c'est que effectivement aujourd'hui en France, quel est le club qui est français? Avec des représentants et des directeurs sportifs français qui a un super réseau. Mais pas que il n'y a pas que J'entends les jamais Français et parler. les Portugais, il y a les Allemands, les Anglais, il y a plein d'autres choses après avoir, tu sais, Ouais, après. mais le Voilà ce que problème, je veux c'est dire par que. là. Mais après, les Anglais, ils sont pétés d'oseille, donc ils n'ont pas besoin de réseau, Oui. puisqu'en fait, dès qu'ils trouvent un mec, il achète deux fois son prix. Les Allemands, ça reste quand même très local, leur recrutement. Ils font quelques pays de l'Est et après, ils prennent quelques pépites. Mais c'est plutôt les gros clubs. Donc après, tous ceux qui se débrouillent, c'est bah, quand tu vas aller chercher les Brésiliens, donc bah, avoir un réseau portugais, c'est plus facile dans les négos parce qu'ils savent quel est le bon intermédiaire. Moi, je le vois plutôt comme un avantage, je le vois comme quelque chose qui va nous permettre d'avancer plus vite. Et j'espère que ça va bien marcher, que ce sera effectivement pas ce qu'on a connu. Tu parles de mafia, j'ai regardé la définition du terme mafia, c'est quand même une organisation criminelle. Mafia, là, ce sont des gens qui n'ont Ouais. jamais été condamnés. Il faut quand même. Je Qui pense ont que bonne réputation. quand tu Non, emploies ce terme, je on en pense que parlera avec c'est pas le bon terme. on en parlera avec Romain Molina. Oui, mais Tu je pense que. vois ce que je veux dire? Après, tu sais très bien que ces réseaux-là, malheureusement, qui vont taper dans les pays sud-américains, sont pas forcément les plus honnêtes au départ. Il y a une question de. Ah, Ouais, mais Varela, bon, il a les là, quatre c'est preuves. juste ce que tu dis, Oui, il a mais. eu. Et ça n'engage que toi, Joe, Tout sur à ce que fait, tu tout dis. à fait. Oui. Et Jean-Christophe qui nous dit, Nico, ce que tu dis sur ce gars, c'était pas ce qu'on disait de Varela à l'époque, pas du tout. Pas du tout, c'est Non. pas du tout le même profil, on peut pas les comparer. Alors. Ça, ce sont des gens qui travaillent dans le football et qui ont. Donc, je parle d'Admar Lopez qui travaille dans le football depuis 15 ans. FC Porto, Monaco, Lille, il était directeur général de Boavista.
depuis le mois d'octobre. Donc il va certainement quitter son poste. Hein, c'est l'autre club de Gérard Lopez. Non, ça n'a rien à voir. C'est incomparable avec ce qu'on fait avec l'autre direction des Girondins. Pour moi, c'est Et puis incomparable. il est reconnu comme étant quelqu'un de très compétent. Varela, Oui, quand il est arrivé, de suite, tout le monde nous a exactement. dit, oula, escroc en puissance, espérons pour vous qu'il vous fasse pas, qu'il vous passe pas la misère. Et c'est ce qui s'est passé. Massia, quand il arrive, je me souviens des premières discussions où des gens qui étaient, je crois, enfin, qui avaient suivi Séville, justement, je crois que c'était avec le Bétis, nous parlaient de transferts douteux, de choses comme ça, de choses pas très claires, de commissions, d'agents. Là, Admar Lopez, il a une super réputation. Apparemment, il était vraiment suivi par les plus grands clubs pour intégrer des cellules. Et à ma connaissance, il n'y a pas une casserole. Après, évidemment que dans ce milieu-là, il y a des histoires de commission tout, et il doit y avoir des trucs qui sont pas très clairs. Mais on en avait parlé un petit peu dans un précédent talk ou dans une FAQ, je sais plus. Si on veut un projet 100% vertueux, c'est pas gagné. Il va falloir repartir en N3. Et moi, j'ai pas envie. Geoffroy, tu nous avais donné ce nom jeudi soir dans la FAQ. Et Oui. maintenant, ça y est, et tu as vu quelques jours plus tard, il a été officialisé directeur technique. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour les Girondins? Je ne sais pas encore. Moi, je me souviens être ravi quand je vois le nom de Massia qui vient au Girondins de Bordeaux, malgré quelques petites casseroles. Il était quand même dans le top 20 des directeurs sportifs mondiaux quand il arrive. Il a fait quand même des clubs Valence, Liverpool, Olympiakos, Fiorentina, Betis, Patrick l'a dit. Et Leicester, on sait le bien aussi qu'il a fait à Leicester. Ils ont mis du temps, hein, à nous le laisser, hein, parce qu'il était direct dans le projet de Dagrosa. Il a été regretté un peu partout où il est passé quand même. Hein. Donc, c'était un grand directeur sportif. Je pense, hein, que c'était un très très bon directeur sportif. Et tout le monde, quand ils ont vu Massia, au départ, ils étaient là, waouh, quand même, c'est pas mal. Varela, c'est sûr qu'il avait des casseroles d'entrée. Son projet le suivait également. Donc, voilà. Après, je pense que Admar Lopez, c'est pas tout à fait pareil parce que. Donc, comme on l'a dit, c'est un bras droit de Campos. Hein. On savait, hein, que Campos allait être un peu derrière le projet des Girondins. Donc, il met un de ses hommes très fort à lui. Campos, il traîne pas de casserole pour l'instant. Alors, soit il y a ses commissions, mais qui n'en a pas maintenant dans le football de commissions, hein. Tout le monde en a. Hein. On voit que des jeunes signent avec des agents à 12-13 ans. Il y a des commissions pour qu'ils passent d'un club à l'autre maintenant. Ça se fait. Hein. Donc, très, très jeune. Donc, bah, il va toucher des commissions, il va toucher des commissions, mais je trouve que c'est beaucoup plus structuré et beaucoup plus fiable que Varela et Massia, même si moi j'avais toute confiance en Massia. Après, on a un autre problème. À Bordeaux, on arrive et puis on dit à l'époque de Massia, bon, mais c'est bien, tu vas avoir 80 millions sur 3 ans pour fonder une équipe. Bon, d'accord. La première, dès qu'il arrive, il prend, si je me souviens bien, Adli, Maja. L'année d'après, sous la pression de Souza, il y a Houdin qui arrive. Mais après, qu'est-ce qu'on a pris d'autre? Wang. Mais les 80 millions, il les a jamais eu pour fonder son équipe. Après, tu as filé des primes à signature sur des joueurs libres. Voilà, C'est eux donc qui il a voient les fait venir transferts. des joueurs libres, mais c'est peut-être pas les joueurs les plus convoités aussi, ou ceux qui le... Donc en fait, moi je suis content que ce soit Admar Lopez. J'attends de voir vraiment ce qui va se mettre en place. Moi je trouve que c'est pas mal qu'il lance des noms, parce que pour l'instant, on sait quand même toujours pas, même s'il est très très sûr de lui, on sait toujours pas si on sera en Ligue 1 l'année prochaine quand même. Donc, sortir quelqu'un du Boa Vista, il a une place, il le débauche, il le fait venir à Bordeaux. J'espère qu'il a les reins très solides si on se retrouve en Ligue 2 avec un tel projet. On n'en est pas encore là, on en parlera tout à l'heure, mais bon, pour l'instant, il a Gérard Lopez, il est confiant sur son projet. Donc, Tant si mieux. tu veux, dans la mesure où il est confiant, il commence à sortir des noms. Ça fait aussi partie certainement de la communication pour un peu contrer ce qui va peut-être se passer cette semaine, mais on en reparlera après. Juste des informations sur ce recruteur. On a là. Alors c'est peut-être exagéré, mais c'est la Rolls-Royce du recruteur, quoi. Quand on... Mais oui, mais c'est un peu ça quand tu fais des recherches sur cet Bah homme et sur ce qu'il a fait. Méthode de recrutement très précise. Une liste de 30 caractéristiques pour décrire chaque joueur. Des caractéristiques techniques, tactiques, athlétiques, cognitives, psychologiques pour chaque poste tout au long de la saison. Dans sa façon de travailler, il fournissait à Luis Campos une liste sur chaque poste avec trois noms selon les différents budgets. C'est-à-dire que tu as un poste de joueur des caractéristiques et tu as trois noms avec top budget, milieu budget et certainement bas budget. Et à la fin, c'était Luis Campos. Donc à Bordeaux, ça ne sera pas Luis Campos, ça sera à lui et la direction bordelaise qui donnait un avis tranché. Et je vais vous lire
L'avis de Philippe Etchemendy, qu'on connaît tous, hein, coach Philippe, qui disait, alors je vais le citer, hein, il dit, il travaille sur la data avec une énorme base de données, mais aussi sur des joueurs à fort potentiel, mais à un certain coût. Il dit, après, on est loin du budget, on est sur un projet, pardon, uniquement professionnel. C'est pas le genre de personne qui bosse pour la formation ou sur des prospects très jeunes. C'est pas le même boulot qu'on fait Cissé ou Massia, mais c'est plutôt pour des profils un peu plus expérimentés, qu'on Et paye confirmé, peut-être ouais. un peu plus, confirmé, et qu'on va faire éclore vraiment et qui vont vraiment apporter aux sportifs plus rapidement. On l'a vu à Lille. Hein. On l'a vu à Lille. Voilà, mais il dit C'est ce que aussi, disait Galtier Philippe, aussi, que c'est hein. un peu plus risqué. Galtier, c'est ce qui, enfin, je sais pas si tu as vu ce qu'il avait sorti, et il disait qu'il avait fait une réunion avec eux et avec cette équipe là de Spoutli, et qu'il était impressionné justement par ça. Ils connaissent tout, ils savent tout, et du coup il a expliqué que bah, quand il te propose Zeki Seli qui joue évolue en D2 turc, bah, en fait personne ne le connaît, tout le monde se demande ce qu'ils sont en train de faire, et tu le prends les yeux fermés parce que tu sais qu'ils ont bossé le dossier. Donc moi ça m'intéresse, ce genre de choses m'intéresse, sachant qu'on part de zéro. Parce que là aujourd'hui le réseau de Roche ou le recrutement de Roche, alors il n'avait pas d'argent, etc. Mais ça n'empêche pas d'avoir des idées et de proposer des noms. Moi, j'ai quand même l'impression qu'il n'a rien proposé, Roche. Mais bon, ça, c'est encore autre chose. Ouais, Après, il Joe, faudrait tu voir veux la suite. réagir? Non, c'est juste après, il faudrait voir. Alors, c'est intéressant, effectivement, d'avoir des joueurs qui sont déjà confirmés, etc. Mais ça coûte plus d'argent que des joueurs, effectivement, qui n'ont rien prouvé, etc. Donc, il faut voir aussi le budget que tu auras pour ça. Moi, je me dis, mais putain, le budget, si on part sur ça, le budget va être quand même assez conséquent, je me dis. Et moi, c'est ça qui me pose, enfin, ça me pose vraiment question sur l'investissement de départ, en fait. Du coup, je me dis, mais où on va sortir tout cet argent, en fait, aussi. Donc, il y a beaucoup de choses, moi, qui me posent vraiment question. Donc, s'il vient là, c'est qu'effectivement il y a un projet qui a l'air intéressant. Ça, je le nie pas. Je pense pas qu'il viendrait là s'il pensait que il pouvait pas faire grand-chose. Maintenant, voilà, moi, il y a quand même beaucoup de questionnements qui sont pas levés. C'est pas parce qu'il y a un nom qui arrive qui est intéressant que le projet, moi, va me paraître effectivement cohérent, sensé, surtout après avec les 2 ans qu'on a vécu juste avant. C'est pour ça que moi j'ai dit, de toute façon, j'allais être très très méfiant. De toute façon, maintenant, je suis pas Calimero ou quoi que ce soit. Je suis juste très méfiant parce que les 2 ans que j'ai vécu, j'ai pas envie de les revivre. Et j'oublie pas ce qui s'est passé parce que j'ai pas envie de me refaire du mal comme j'ai vécu pendant 2 ans. Tu vois ce que je veux dire aussi? Donc pour l'instant, je m'emballe pas du tout. Je reste très méfiant. Et quand je regarde les informations que tu peux avoir sur l'OPS, etc., sur les choses, il y a beaucoup de choses qui sont quand même assez floues encore. Je parle pas qu'à Bordeaux, mais avant dans ces projets, etc., il y a beaucoup de choses qui sont encore assez floues et qui sont parfois pas forcément moi ce que j'ai envie de voir, en tout cas dans le foot. Donc tout simplement, c'est pour ça que j'émets autant de doutes et que je reste vraiment sur la réserve. Voilà. Dans le communiqué qui annonce sa venue, je vous le lis, hein, j'en lis une partie, il cite les joueurs qui l'a permis de découvrir, les talents qu'il a découverts. Thomas Lemar, Benjamin Mendy, Nicolas Pepe, Fabinho, Bernardo Silva, Jonathan David, ainsi que des joueurs du LOSC, Djibril, Sidibé, Sven Botman, Boubacary Soumaré, Jonathan Bamba, Jonathan Ikoné, Youssouf Yacidji. Voilà. C'est des noms qui parlent, alors ils mettent en avant leur travail, c'est normal, hein. Voilà. Mais Combien ils ça sont laisse. ratés aussi? Pour jouer le trading, Geoffroy, c'est pour jouer. Lapsus, pour avoir un modèle économique basé sur le trading, c'est logique d'avoir une personne, un recruteur, un directeur technique avec ce profil. C'est l'homme qu'il faut. Pour moi, c'est l'homme qu'il faut. Après, on voit Boavista, il arrive en 2 mois, 15 arrivées, 11 départs. Si on veut nettoyer un club, et je pense qu'il y a besoin de le faire, c'est ça. Si on veut faire du training, c'est exactement ça aussi. C'est une personne, comme l'a dit Patrick, hein, qui a déjà tous les noms, quasiment. Quel que soit le coach qui sera là, qui va dire, bon, mais moi, j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Bon, mais écoute, on en a trois, on en a trois, on en a trois. On choisira parmi tout cela. Voilà. C'est dans le projet Lopez, c'est exactement l'homme qu'il faut. Alors après, je me pose une petite question concernant Stefano Luxoro. C'est bien ça, hein? Celui qui a travaillé au Milan AC, à la Juventus, enfin qui a fait tous les gros clubs italiens. Il va pas y avoir un conflit d'intérêt entre les deux. Je vois pas la nécessité d'en avoir deux. Alors il va être responsable de la cellule Pas recrutement. d'intérêt, pas d'intérêt. Alors je donne juste le contexte, parce que tu sors le nom comme ça pour que les gens qui nous écoutent sachent de qui on parle. C'est SoFoot qui a dévoilé dans l'après-midi que les Girondins de Bordeaux et Gérard Lopez allaient annoncer
Telecom arrivé au poste de responsable du recrutement, Stefano Luxoro. Alors moi je ne connaissais pas. C'est un Italien qui a occupé des postes de responsable de recrutement à l'AC Milan, qui est actuellement à l'AS Roma et qui a été scout pour la Juve ou la Samp. Voilà. Donc après faut et donc la question que tu poses, c'est est-ce qu'ils vont pas se marcher dessus? C'est ça? Oui, moi je pense qu'il prend Anmar Lopez vraiment qui a ce profil déjà, avec tous ses scouts. Est-ce qu'il y avait besoin d'avoir encore une autre ligne de salaire avec un gars très expérimenté? Est-ce qu'ils vont être d'accord l'un avec l'autre ou est-ce que chacun va mener son réseau? Moi j'aime bien quand il y a un mec unique, avec un projet unique et qui va faire le boulot, quoi. Voilà. Là j'ai l'impression qu'on se prend deux entités. Bon, son parcours parle hein, de Luxoro hein, quand même. Il n'a pas fait tous les grands clubs italiens pour rien. C'est qu'il doit être très compétent et très bon aussi. Et ça fait deux personnes qui vont s'occuper du recrutement, quoi, en gros. Ouais, mais t'as le contre-exemple, juste Geoffroy, par rapport à Gourvennec qui avait les clés du camion, qui s'était totalement planté, alors qu'il c'était lui qui décidait, voilà, qui décidait de tout le sportif à un moment donné, Ah et ça a été une oui. plantade. Donc après, tu sais, quand t'as pas de contre-pouvoir, ça peut aussi, si tu pars dans la mauvaise direction, comment tu fais? Est-ce qu'il y a personne à un moment donné pour te remettre sur le droit chemin? Si t'es dans ton idée et que ton idée elle est pas bonne, mais que du coup tu n'écoutes que toi, tu dis c'est bon, ça va passer, etc. à la Bielsa ou à la Gourvennec à l'époque à Bordeaux, bah, tu peux aussi te ramasser. Donc après, ça peut marcher, hein. Je dis pas le contraire, hein. Mais moi j'aime quand il y a un contre-pouvoir quand même aussi. D'accord. De ce Après, que j'ai compris en plus, ouais, pardon Nico, mais ce que j'ai vas-y. compris, c'est que Anmar Lopez va être directeur technique et va aussi s'occuper de tous les jeunes. Donc j'ai l'impression qu'il a un rôle beaucoup plus élargi que Luxoro. J'ai l'impression que ça va être vraiment cibler l'équipe première masculine, a priori, où il va être peut-être pas recruteur en chef, et, parce que ça passera par Anmar Lopez, mais il aura peut-être un rôle plus ciblé sur l'équipe pro. Que j'ai l'impression que Lopez va avoir un rôle de la formation ou post-préformation, etc., jusqu'à l'équipe première. Mais c'est de ce que j'ai lu aujourd'hui, c'est ce dont j'ai l'impression. Après, Luxoro, il n'est pas officialisé, donc il faudra voir quel est le rôle de Oui. chacun. Après, aujourd'hui, dans le club, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait une cellule de recrutement, il y avait un directeur sportif. Après, tu peux avoir un directeur technique qui est plus directeur sportif et un responsable du recrutement derrière qui coordonne les scouts. Je sais pas, il faut voir comment ils T'avais s'organisent, Ramé, qui mais. était directeur de la performance. Oui. Pas ce que c'est, hein, mais il C'est était ça. directeur de la performance. Je sais pas. Bon. T'avais une Bon, on ligne, verra. comme disait Joe tout à l'heure, t'avais une ligne de plus dans les salaires. Non, mais ça sera à préciser. Le club le précisera de toute façon le rôle et les fonctions de chacun. On est vraiment au tout début de la mise en place du projet, hein, puisqu'il n'est pas encore propriétaire, là, C'est ça. Gérard Lopez. Est-ce que vous voulez Mais ça va rajouter quelques... pas, hein. Oui, Ouais, Geoffroy. pareil. Oui, Geoffroy. Oui, pour revenir à ce que disait Joe, le contre-pouvoir, moi je pense que déjà avec Lopez, il a, parce que Lopez a ses idées, il le dit, hein, il a des joueurs aussi qu'il aime bien, qu'il aimerait faire venir. Et le contre-pouvoir aussi, il est du coach, qui n'est pas encore nommé. Mais si par exemple, je sais pas, je le vois comme ça, si Lopez arrive avec des noms et qu'il dit, ah non, mais moi, eux, je les aime pas du tout, je les veux pas, ça fait quand même déjà un contre-pouvoir. Je sais que l'entraîneur peut aller voir le président après pour lui dire, écoute, ce qu'il me propose, Lopez, ça ne me plaît pas du tout. Enfin, moi, j'ai l'impression que les coachs, plus ça va, moins ils ont de pouvoir dans les clubs. Très Ouais, sincèrement. ça Moi, c'est sûr. parce Oui. qu'ils sont quand même très vite mis dehors. C'est très vite la solution de facilité. Regarde à Nantes, tout ça, tout ce qui s'est passé. Quand tu as un président qui est buté, et à un moment donné, c'est un peu compliqué, j'ai l'impression de communiquer avec lui. Et nous, on en a eu un aussi qui était pas mal là, ces derniers temps. Donc, je sais pas si les coachs, malheureusement, ils devraient avoir vraiment un pouvoir, hein, sur les décisions. Mais j'ai l'impression que dans le foot moderne, ils l'ont quand même beaucoup moins. Après, Gérard Lopez, c'est quelqu'un qui a tout fait pour satisfaire son coach au LOSC, hein. Oui, voilà. Après, ça dépend des présidents, c'est toujours pareil, bien Ça sûr. va nous changer. Un président qui fait tout pour satisfaire son coach, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ça à Bordeaux. Hein. Donc, Et qui veut gagner. J'ai l'impression que lui, il est là pour gagner, oui, clairement. c'est vrai. Après, ça paraît Oui, ça. gagner des matchs, pas de l'argent, Voilà. des matchs. Gagner des matchs et être Pour gagner de performant. l'argent. Voilà, c'est Pour ça. gagner de l'argent derrière. Mais déjà, en tout cas, il parle de sportif. Mais déjà, une bonne Exactement. chose par rapport à ça, c'est qu'il met quand même pas mal en avant le sportif et que c'est un compétiteur, on le sent. Donc, c'est déjà une bonne chose. Maintenant, après, voilà. Faut voir après ce que ça va donner derrière. Donc, Et bon, qu'il veut finalement. entretenir avec AC. Oui, alors, vous voulez qu'on parle du coach tout de Voilà. suite? On est dans l'organigramme. Le coach, la question du coach ne Allez. sera pas abordée tant que la DNCG ne Oui, sera bien pas sûr. réglée et qui sera propriétaire officiel du club. Je pense qu'il ne peut pas aborder la question avant. Donc, C'est et je. important justement qu'Anmar Lopez soit nommé tout de suite, ou en tout cas passe dans l'organigramme, parce que comme ça permet.
Je vois pas comment il pourrait continuer avec Gasset, en toute honnêteté. Mmh. Donc, ça permet aussi à ce directeur technique de commencer à travailler sur le sujet du coach et de pouvoir commencer à prendre les idées de jeu, etc., pour proposer ses joueurs. Je pense que c'est pour ça qu'ils sont sortis tout de suite sur ce nom-là et qu'ils l'ont officialisé pour que ça prenne de l'ampleur et que les coachs aient envie de venir. Après, Gasset nous fera pas de cadeau, mais ça, c'est encore un autre sujet. Après, je pense que si tu connais un peu le foot et les Girondins, tu sais aujourd'hui que Gasset ne reste pas, c'est impossible. Voilà, tu peux pas garder ni Gasset ni Roche. Je pense qu'il faut, Je l'espère, mais... même si après il y a des règles pour remercier C'est ça. quelqu'un, donc ils vont se rencontrer, ils vont négocier, ils vont discuter, et puis ils vont se dire au revoir, et puis voilà. Ça fait un peu Exactement. Ricardo avec GACP, quoi. Ouais, Ils l'ont ouais. maintenu parce qu'il avait été mis en place en route de secours. Et à la première occasion, ben, ils ont mis Paulo Sousa, quoi. C'est C'était vrai presque prévu, ça. qu'il est. Alors, à la différence qu'ils étaient arrivés dans une période de transition, Ricardo, il était arrivé à ce. Là, ouais, c'est un peu. C'est exactement ça, en fait. C'est exactement ça. Alors, pour revenir au coach, si vous me permettez, Oui. on en a parlé de deux. C'est Sam, hein, qui en a parlé, je crois, la semaine dernière. Il a parlé de Villas-Boas et qu'il avait entendu juste comme ça quelques Ouais, c'est des idées, hein. Il a pas voilà, d'idées d'idées. particulières, hein. Il y a eu Laurent Blanc. Alors, le problème, c'est toujours pareil. C'est deux coachs qui veulent façonner leur équipe. On a vu Villas-Boas et comment il est parti de Marseille parce qu'on lui a mis un joueur qu'il ne voulait absolument pas. Donc, il est parti. En gros, il a fait en sorte de pouvoir partir. Moi, j'aime bien Jardim, hein, dans ce système. Hein. Allez, un tour sur le coach, on passe 5 minutes sur le coach. Est-ce que ça sera un coach portugais? Parce que là, moi, du coup, je sais pas, je me dis, ils ont des façons de travailler bien spéciales, beaucoup de data. Paulo Fonseca de la Roma, il est libre. Est-ce qu'on pourrait pas le voir arriver? C'est pas un Uruguayen, lui? Non, je crois Oula, pas. Non, alors là, non, je non, sais non. pas. Non, non, il Si, est je. portugais. Non, non, je crois Portugais. pas. Vérifie, mais j'ai un doute. Fonseca, moi, ça me paraît être un Alors, portugais. Uruguayen. mais le coach de la Roma, Paulo Ah, mais Fonseca, combien tu les payes, ces coachs? il Moi, est je veux bien, portugais, hein, hein. mais. Il est Moi, portugais, hein, Joe, c'est sûr, hein. il est portugais, d'accord. Moi, après, on se rappelle du coup de Paulo Sousa. Ah, mais moi, c'est ce qui me fait peur avec des profils comme Hein. Fonseca. C'est-à-dire que ces mecs-là, ils arrivent avec un salaire énorme, avec un staff énorme. Là, pour le coup, on risquerait de repartir sur les mêmes bêtises. Parce que derrière, enfin, moi, je préfère qu'ils le mettent sur une autre partie, joueur, etc., avec un coach d'envergure. Hein. Mais j'ai peur qu'un mec qui arrive de la Roma, j'ai peur que ce soit compliqué quand même. Je préférerais avoir quelqu'un qui émerge un peu. On avait vu certaines rumeurs, et ça n'est que des rumeurs. J'ai encore moins d'infos que toi ou n'importe qui d'autre, mais Pedro Martins de l'Olympiakos ou des choses comme ça. Ça me paraît déjà des choses plus accessibles que des Fonseca, par exemple, ou même Souza à l'époque, quoi. Souza, on était content qu'il arrive, mais quand tu vois derrière, il te dit, bon, alors j'ai 4 adjoints, j'ai 12 prépas, j'ai 3 mecs qui font la vidéo, j'ai deux. Si t'as Calme-toi, des là. résultats derrière, à Lille, Ouais. il devait avoir, avoir de Ouais, nombreux bah, adjoints Bielsa, aussi il à n'en Lille. avait pas tant que ça. Hein. Et même après Galtier, il vient avec un staff 5-6, quoi, pas plus. Non, Bielsa, lui, il est très Souza, dans son petit monde en fait. Du coup, donc il s'entoure de très Ouais. peu de personnes et il faut vraiment qu'il ait confiance aux gens. Donc il y en a très peu en qui il a confiance. Donc il vient avec 3-4 personnes, pas plus. Et après, il prend le staff qu'il y a sur place aussi. Avec qui ça se passe pas forcément très bien non plus. Bielsa, c'est un personnage un peu à part. Mais on sait que Lopez et Bielsa, ils s'entendent bien après. Donc on n'est pas à l'abri non plus. Oh là là, je viens de voir sur le chat quelqu'un qui dit il faut prendre Rudy Garcia qui est libre. Non, Hein. s'il vous plaît. Non. Hein? Oh non, non. Non, mais on m'a dit qu'on voulait des résultats. Non, non, Et s'il là, vous il plaît. signe. Alors là, je suis mort. Non, mais en même temps, S'il si vous avez le signe choix entre. Garcia, je suis mort. Non, mais entre Gassé et Garcia, vous prenez qui, les gars? Oui, Ah. Garcia. Ah, garçon. Ouais, mais il Voilà, faut pas malheureusement, raisonner. voilà. Mais si vous Voilà. voulez, Gérard Lopez, il raisonne pas comme ça. Non, Gérard non, mais on est Lopez, d'accord. Non, non, mais. il veut gagner. Il veut gagner. Il veut mettre de l'argent pour investir, pour gagner, et il veut faire fonctionner son club économiquement en revendant les joueurs. Parce que pour lui, c'est le modèle économique. Donc il n'a pas le choix. Il est obligé d'avoir Faut des résultats. de viser le top à chaque fois, quoi. Et on nous a critiqué quand j'ai vu sur les commentaires de la dernière vidéo par rapport à la FAQ de la semaine dernière, quand on dit. Ouais, c'est du poker, ça va être du poker, un coup de poker, etc.
Et il y a des gens qui nous ont critiqué à juste titre, je trouve, dans les commentaires, parce qu'ils disent, ouais, mais les gars, quand tu fais du poker, tu calcules tout, tu calcules les coûts, tu prends les risques Bien sûr. limités, c'est pas du hasard. Donc, Alors, c'est pas dur. Moi, quand j'ai dit que c'était du poker, je disais justement par rapport à la prise de risque. Et ils ont raison. C'est-à-dire qu'au poker, tu essaies de calculer tes risques, mais parfois, tu les calcules mal. Et donc, avoir. Parce qu'on parlait de j'ai budget. plus. Ouais, on disait que est-ce qu'on pouvait avoir une gestion en bon père de famille, quoi, en gros, et faire du trading. Et là, moi, c'est non. C'est pareil pour le poker. Si tu te dis, bon, allez, tous les mois, je mets 20 euros dans mon truc de poker parce que je suis un bon père de famille, mais je veux atteindre 1000 euros à la fin du mois, bah, soit tu es très très bon et tu réussis ton coup parce que tu es très très bon au poker et tu as très bien calculé, soit tu es un joueur moyen, lambda ou moyen plus, et bah, tous les mois, tu vas recaver de 20 euros, 20 euros, 20 euros, 20 euros parce que tu n'arriveras pas à atteindre ton objectif. Et ça, c'est dangereux. Moi, c'est par rapport à ça que je disais ça. Mais après, ils n'ont pas tort sur ce qu'ils disent. C'est savoir prendre des risques calculés. C'est vrai. C'est vrai que tu essaies de les réduire un maximum. Bon, on a fait le tour sur Admar Lopez qui devrait faire du bon boulot à Et Bordeaux, on moi, je trouve l'espère. que c'est une très bonne chose. Ouais. Je suis content pour Bon, ceux qui viennent, moi. Joe plus réservé, hein, on a vu sur les à J'attends. côté, Joe. Moi, Voilà, c'est juste, mais. j'attends de voir. Voilà, c'est tout. J'ai Voilà. pas, j'ai peut-être été un peu dur en parlant de mafia, etc. Mais vu ce qu'on a connu à Bordeaux et vu tout ce qu'on entend au fur et à mesure à Saint-Étienne, à Lille, etc. Il y a beaucoup de choses. Maintenant, tu commences à te poser beaucoup de questions sur le foot. C'est pour ça que je suis très méfiant et que j'ai pas envie de laisser passer certaines choses. C'est tout. Tiens, on nous dit pourquoi ne pas retenter Thierry Henry? Non, je pense qu'il faut un Oh coach non. expérimenté. Là, il te faut quelque chose d'expérimenté parce que là, dans la saison, tu vas devoir avoir des résultats dès la fin de la saison prochaine, je pense. Il faudra être au rendez-vous Ah ouais. selon l'investissement qui va être fait. Et Donc. on va devoir rendre compte à la DNCG, surtout l'année prochaine. Pas cette année, mais surtout l'année prochaine, surtout. Donc, il va falloir être très performant pour pouvoir vendre ce qu'il faut pour couvrir certaines pertes, à mon avis. Parce que Lopez, on le connaît, il investit direct. Oui. Lui, c'est l'investissement direct pour avoir après la rentabilité derrière. Donc, s'il Comment il investit s'appelait pas. le Portugais qui était parti au Brésil là? Parce qu'il y avait une rumeur un temps à Bordeaux, oui. J'avais plus son nom. C'était Ferreira, Casanovo, je crois. Ou... C'est Resoaldo ça? Ferreira, c'est celui qui a Boavista aujourd'hui et qui a Non, non, annoncé non, non, son non. départ de Boavista aujourd'hui, cet entraîneur. C'est Ah, lui? ah non, je pensais il n'en pas. est pas Non, allé je la semaine pensais pas à lui. dernière. Louis, t'en as parlé. Et bien, il a annoncé tout à l'heure son départ du Boavista, le coach, mais il est très âgé, il a 75 ans. Hein. Non, mais Ouais. je crois pas que ce soit lui. Hein. Ou alors, si c'est lui, D'accord. j'ai loupé son nom. Mais non, Alors, non, c'était celui qui. Ferreira aussi. Qui... C'est Ferreira qui est à Il Flamengo? était parti au Oui. Brésil, il a été repris par Oui. Boavista, il était au C'est Brésil là. ça, c'est Et ça. bon, alors, C'est ah lui, ben écoute, tu Patrick. vois, j'ai loupé. Bah non, alors, en fait, j'ai trop joué. Ah, Pardon. il a eu une saison difficile hein, avec le Boavista. Donc, Ça a été très compliqué. C'était pour repartir sur. Bon, enfin bref, on va pas faire le débat voilà. là-dessus. Non, Donc, il est non. libre. On Non, a non, mais parlé j'ai de. dit une faible. Oubliez, ça sera coupé au montage, de toute façon. Allez, messieurs, point effectif et valeur, deuxième partie de cette émission. Restez avec nous. Merci d'être aussi nombreux. Plus de 400 connectés. Envoyez-moi du like si vous êtes sur YouTube. Et abonnez-vous à notre chaîne. Je vais vous afficher l'effectif des Girondins. Pardon, je m'étrangle. La reprise, c'est demain. Et voici l'effectif. Alors, attendez, hop, je vous affiche ça correctement. Voilà. Voici l'effectif des Girondins par poste. Alors, il n'y a pas tous les joueurs, mais il y a les principaux. On a de quoi faire une équipe, hein. Alors, Ben, j'ai mis que. franchement, au milieu, on est fourni comparé au début de l'année dernière. Au milieu, on est très fourni cette année. Par contre, là, il y Bon, a tu nous fais l'équipe. jouer en 3-4-3 alors. Ou alors, écoute, vu Fais comme tu peux l'effectif, là. il fallait placer un maximum de joueurs sur Ouais. cette composition d'équipe. Et vu l'effectif, j'ai décidé de l'installer comme ça. Mais la fin de saison, on était comme ça, par Voilà. contre. Et tu nous fais une balle au Souda là. Ouais, mais j'aimais beaucoup ce que prenait Paulo Souza. Moi, personnellement, en termes de jeu, j'aimais beaucoup. Hein. Bon, ça n'a En jamais Pologne aussi, fonctionné, t'as mais. aimé. Ouais. Donc, messieurs, l'effectif, ils seront là à la reprise demain, à part Benito qui fait l'Euro et qui joue ce soir face à la France. Mais qu'est-ce que ça vous inspire, hein? Il y a des joueurs sous contrat et sachez que là, je n'ai pas mis tous les joueurs professionnels qui sont en National 3 et qui n'ont pas une minute de jeu, hein, en Liga. Hein, je ne les ai pas mis ceux-là. Qu'est-ce que ça nous inspire? Voilà, Bon, déjà, l'effectif non. des Girondins. Non, déjà, moi, ce qui m'inquiète, c'est les latéraux. Déjà, clairement, tu vois que le recrutement prioritaire, c'est il te faut au moins un latéraux de chaque côté, voire trois. Mais là, les latéraux, Caric, Bellanova, Benito, Zerkan, c'est pas possible.
Et il n'a aucun qui peut occuper le poste de manière cohérente et être performant dessus. Donc on le sait, donc Zerkan, c'est pas un latéral, Milito, c'est pas un latéral non plus. Belanova, c'est apparemment, je vais être un peu cash, mais c'est un gros branleur. Apparemment, le mec arrive en retard à l'entraînement, il s'entraîne à moitié, etc. Donc voilà. Joe, on a dit ça une fois, je me rappelle, c'était Florian Sabatier, peut-être qu'il a changé en Ah 2 ans. non, en Italie, il se passe exactement la même chose. Hein. Donc Ah apparemment, bon? c'est. Ah, oui, non, en Italie, il a pas une très bonne image. Il est très critiqué. Donc, mais parce que c'est un gros potentiel, mais c'est dans la tête, c'est pas encore. Hein. Malheureusement, c'est pas encore professionnel. Donc Il a fait malheureusement. l'Euro Espoir avec l'Italie, hein, dernièrement, cette année. Oui, Hein. bien sûr. Mais après, il a, comme je dis, c'est un gros potentiel. C'est-à-dire que si donnait les moyens, ça serait un super latéral à venir. Il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il qu'il donne les moyens. Apparemment, c'est pas le cas, de ce que j'entends. Après, ce qui m'inquiète aussi, c'est l'état physique de certains joueurs. Koscielny, Bayes, Meschère, Ottavio, Kalou. Il y a beaucoup d'interrogations sur ces joueurs-là quand même, qui sont quand même des joueurs assez importants dans l'effectif, qui sont des valeurs sûres dans l'effectif, mais physiquement, ben on l'a vu, hein, beaucoup de joueurs. Ottavio, dans quel état il va revenir? Il a quand même une grosse blessure, donc il a raté la moitié de la saison. Ça va être compliqué peut-être de reprendre le rythme pour lui. Donc physiquement, il y a quand même beaucoup de joueurs qui me posent question quand même dessus. Jimmy Briand, on n'en parle pas. Béchilé, par rapport à son niveau, j'ai quand même de gros doutes pour l'instant. Metu, on connaît pas, donc c'est compliqué à dire. Donc Bakua, c'est pareil. Voilà, il y a beaucoup d'interrogations quand même sur l'état physique et sur le potentiel de pas mal de joueurs quand même. Voilà. Patrick, quand tu vois tous ces joueurs, on a de quoi composer une équipe. Après, il y a des postes qui sont plus pourvus que d'autres. Alors là, c'est contradictoire avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que là, si tu veux jouer le haut du tableau avec ça, il va falloir que les autres soient faibles. Hein, parce que en défense, déjà, moi, je recrute partout. Parce que Meschère, bon, on ne va même pas commenter. Bayes, avec toute l'affection qu'on a pour lui, effectivement, les croisés à l'Ashkila, on verra comment il revient. Medioub, inconnu au bataillon, jamais vu jouer. D'ailleurs, c'est même pas lui qui a joué, qui a été pris dans le groupe, c'est. Celui qui a signé pro là. Il était à Tondela cette saison. Il a fait une dizaine de matchs Voilà. en tant que Ah bon. défenseur central en Liganos, hein, donc Tu vois, je m'en portugais. souvenais même pas. Mais c'était comment il s'appelle, Malcolm Bokele, là, qui a été Oui, alors je ne l'ai pas mis, tu perçu. vois. Lui Ouais. aussi, je Non, ne l'ai non, pas mais mis, mais on l'a il recruté, n'a mais je pas ne l'ai pas joué, mis. hein. Ouais. Mais voilà, Carrick, il jouait quand même en troisième division espagnole dans un club, il me semble, moyen de troisième division espagnole, donc pas au niveau. Pardo, pas de souci, même si lui, il a fini très tard la saison, donc je pense pas qu'il soit là demain. Adli, Sissoko, ok. Basic, Lacou, Ottavio. Enfin, Basic, je pense qu'on peut déjà le supprimer, il va partir. Et là, sur les côtés, c'est une catastrophe. Kalou, Bakua, Kalou, il est tout le temps blessé, donc pour moi, c'est plus un joueur. Et non, là, cette équipe-là, enfin, pour moi, tu as 50% à changer. Et là, pour le coup, c'est ce qui m'inquiète par rapport à ce projet-là, c'est que si on te dit 50 millions, bah là, c'est trop juste. Voilà, il faut vraiment flairer des bons coups. C'est trop juste parce qu'il te faut, au bas mot, il te faut 8 joueurs Non, mais il pour faut aussi jouer le les haut vendre. tableau. Hein. Hein. Il faut aussi les vendre Oui, déjà, non, ces mais. joueurs-là aussi. Sinon, tu auras un effectif de 60 joueurs, c'est ingérable. Donc, On est 100% d'accord. Hein. C'est pour ça que je te dis, je suis prudent parce que cet effectif-là pour jouer le haut tableau, c'est non. Si tu dois les vendre, recruter, il faut que tu recrutes malin et bon. Mais là, côté droit, côté gauche, c'est catastrophique. C'est ça. T'as pas de latéraux. Pour moi, il te faut minimum 3 latéraux, gauche-droite. Un, s'il y en a un qui pouvait, sur les trois, s'il y en a un qui pouvait jouer des deux côtés, ce serait bien. En défense centrale, il t'en faut au moins 2. Au milieu, je pense que ça peut tenir la route, même si tu prends qu'un seul joueur, ça peut tenir à peu près la route, dans ce système-là. Mais après, les attaquants, il t'en faut au moins 2, minimum. Mais 2, tu joues plutôt entre 5 et 10. C'est Geoffroy. dangereux. Et j'ai retrouvé le nom du coach, c'est Jorge Jesus que je cherchais. Ah Voilà, oui. c'est pas fait rare. L'ancienne de D'accord. Benfica. Voilà, c'est ça. Mais bon, on passe au suivant. Il est à Benfica maintenant d'ailleurs. Il est Il est revenu à retourné? Benfica? Il est revenu, ouais, je crois. Ouais. D'accord. Attends, Alors comme méfie-toi ça a que tout changé ça de n'arrive coach, pas. voilà. Geoffroy, qu'est-ce que ça, quand tu vois l'effectif là, il est déséquilibré, hein. Il va falloir recruter peut-être des défenseurs latéraux et des milieux de terrain défensifs, non? Moi, il me fait pas envie, hein, déjà. Alors, pas du tout. Hein. On a quelques cadres. Costil, Koscielny, Bayes. Déjà, il faut leur demander s'ils veulent rester à Bordeaux ou pas.
Ouais. Koscielny, je pense que oui, il voudra finir. Après les autres, Bayes aussi, hein. Mais Bayes, je le vois plus comme un remplaçant en force, hein, maintenant. C'est-à-dire que ça sera pour faire le nombre. Son amour du club, sa hargne quand il est en forme, ça peut être un excellent troisième défenseur central, je pense, hein. Il faut quelqu'un pour accompagner Koscielny. Mexer, non. Bessilé, non. Medioub, non. Kouateng, non. Carrick, non. Belanova, non. Benito, non. Zerkan, peut-être le garder. Bazic, non. Lacou, oui. Otavio, oui. Pardo, il ne voudra pas rester. Ali, oui. Sissoko, oui. Ah, pas Oudin, non. sûr. Traoré, oui. Maja, je reviendrai sur Maja Non. un peu après. Mara, On en oui, faut lui parle. laisser sa Il y a la chance. rubrique Mercato juste après, donc on va en parler, les valeurs des D'accord. joueurs. Brillant, non. Wang, oui, mais moi je ne le mettrais pas en neuf. Je l'aimais comme le mettait Souza en électron libre sur le côté gauche quand il repiquait et qu'il nous faisait ses grosses frappes de 20 ou 30 mètres là et qu'il nous faisait petit filet. Je l'adorais comme ça, Wang. Kalou, moi j'aime beaucoup, mais le problème c'est qu'il a tiers-temps ici, non? Il a temps partiel à Bordeaux, enfin, même pas. Donc c'est très compliqué, il est tout le temps blessé. Il Il fait est un sur match. 25 heures, c'est Dans pour son contrat, il a un mi-temps. Dans son contrat, c'est comme Mais ça. parce que, alors, le problème, c'est qu'il serait Chômage peut-être en forme, partiel. mais c'est dès qu'il va avec sa sélection. Il revient, mais alors je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Il revient, il est minable à chaque fois, le pauvre. Donc voilà. Donc en fait, moi, je vois 11 joueurs qui pourraient rester sur tout l'effectif des 40. J'avais compté avant l'émission. Il y en a 11 qui pourraient être compétitifs pour le projet Girondins de Bordeaux. Tous les autres, non. Donc oui, en fait, Anmar Lopez, c'est pas mal. Hein. S'il nous refait du Boavista, c'est-à-dire 15 arrivées pour 15 départs, moi je signe de suite parce que ouais, Alors, Boavista, cette c'est 11 fatigue. arrivées en prêt. Hein. C'est 11 arrivées en prêt, Boavista. Ouais, Attention, pas, à la il limite, peut pas arriver. Hein. à la limite, mais c'était Ouais, Boavista si tu fais le à Lille, training. ça n'a pas été des prêts. Hein. À Lille, il n'y a pas eu beaucoup de prêts. Hein. Non, ça, on est d'accord, mais Boavista, c'est pas l'exemple à suivre parce qu'ils sont sur Non. 19 arrivées et 11 prêts. Donc, si tu fais du trading, c'est pas, pour moi, c'est pas le modèle Et puis qui le te fait projet n'est d'accord. peut-être pas le même. Mais pour moi, c'est un club Ouais. satellite, Boavista, après. Donc, C'est je ça. pense que c'est censé être un club satellite. Donc, mais moi, ça Ils n'ont pas joué m'interpelle le un haut peu de tableau. Hein. Mais ouais, ils ont joué la relégation, mais ça m'interpelle tous ces prêts, en fait, du coup, pour un projet comme ça. Moi, j'avoue que. Voilà, mais après, à voir. Regardez les gars ce que je vous ai préparé, les valeurs marchandes des joueurs. Donc là, on a vu l'effectif hein, pour vous le remettre en tête, hein, pour montrer à ceux qui nous suivent mais les joueurs qui composent cet effectif sans tous les joueurs qui sont partis, parce qu'on n'a plus les deux Préville. J'ai vu sur le chat, il y en a qui demandent il est où de Préville, mais il est plus sous contrat. Il n'y a plus Sabali, il n'y a plus Ben Arfa, voilà. Punji, Et il on n'y a dit plus pas. Pougé Punji. et plein d'autres. Tu devais nous donner des nouvelles de Préville, au fait, Nico. Il va Ah bien. bon? Ben Oui. peut-être, ben il va bien. On pourrait le retrouver en Ligue 1, voilà. Donc, D'accord. Bon, tu nous en dis pas plus. mais non. Non. Voilà. Mais on pourrait le retrouver en Ligue 1, voilà, très prochainement. Et Mais tu pas à nous avais Bordeaux, parlé bien aussi sûr. d'une fin de contrat qui était en renégociation avec les Girondins. Et là, tu nous as fait peur à tous. Il oublie rien. Il oublie rien, Non. Geoffroy. Tu sais, Geoffroy, il oublie rien. Écoute, on verra après. Marius Trésor, Mais c'est Marius Trésor qui c'est une pourrait revenir. rumeur. C'est une rumeur que j'ai pas vérifiée. Ça m'ennuie de la donner, celle-là. Parce que D'accord. voilà, je voudrais pas Marius Trésor pourrait revenir en défense centrale. dire quelque chose de faux. Voilà, Ou c'est un Maxime défenseur. Pouliguen en neuf, parce qu'il a Voilà. bien aimé. Messieurs, la valeur de cet effectif, puisqu'on parle trading, donc autant je pensais sur la valeur. Alors j'ai pris que les principaux joueurs. Hein. Je ne pense pas en avoir oublié. Alors il manque certainement des joueurs de valeur inférieure. Hein. J'ai pris les codes Transfermarkt. Alors c'est pas parfait, mais ça donne quand même une indication, surtout quand tu vois que Bazic risque d'être transféré à Naples pour 8 millions d'euros d'indemnité de transfert plus bonus. Transfermarkt, ils évaluent sa valeur à 9, tu te dis qu'il y a quand même une tendance qui est quand même respectée dans les valeurs des cotes. Et donc, aujourd'hui, en termes de valeur, mais tu regardes à Bordeaux, il n'y a pas de top joueurs. On n'a plus de top joueurs parce que nos top joueurs, ils ont déjà tous été transférés. Et entre-temps, le club n'a pas réussi à former d'autres top joueurs pour remplacer ces top joueurs qu'on a perdus. Et quand je parle de top joueurs, c'est pas foufou, hein. C'est Aurélien Tchouaméni et c'est Jules Koundé. Et si on remonte plus loin, c'est Malcolm. Mais c'est tout. Qu'est-ce que ça vous inspire, ça, quand on voit cette valeur d'effectif? Que Lille avec un seul joueur, ils ont la valeur de notre effectif déjà. Donc tu vois, c'est quand on parle de trading, c'est pas si mal. C'est bah, et encore, moi je trouve qu'on est même généreux avec certains, hein, parce que Ouais. Koscielny, qui mettrait 3,5 aujourd'hui?
Même Même Oudin. si Oudin, ouais, qui va mettre 7 7 millions. personnes. Madja, 5, j'espère qu'un club anglais se fera avoir à 5. Otavio, 7. Je crois que tu peux diviser par 2 vu sa blessure. Donc voilà, Ouais, enfin pour... bon, on va pas tous les faire, mais je crains que ce soit moins que ça. Donc après, il y a. C'est compliqué parce que aujourd'hui, c'est ce qu'on disait pour passer la DNCG, pour avant qu'on parle de rachat et tout ça. Qui on peut vendre pour aujourd'hui combler le déficit? Soit tout en effectif, parce que là, on parle de déficit qui était aux alentours de entre 40 et 70, tu vois, notre effectif, c'est ça. Donc toi, tu vends toute l'équipe. Et donc, tu es en redressement judiciaire et tu repars en National 3, soit tu fais avec. Mais là, vendre Basic, ça va pas être trop grave, même si je pense qu'en Italie, il réussira mieux qu'en France. Mais par contre, pour le reste, Adli, c'est pareil, 9. Mais combien t'en dois au PSG? 40%. Voilà, donc déjà, ça fait plus 9, parce que tu ne le vendras pas 18. Oudin, 7. Combien t'en dois? Est-ce qu'on ne doit pas encore des échéances à Reims, ce qui ferait que si tu le vends 7, tu lui en donnes encore 3? Je suis Justement, assez inquiet, moi, sur ça. qu'est-ce qu'il doit faire là? Le nouveau staff, il doit faire quoi? La nouvelle direction, elle doit faire quoi avec ses joueurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la solution? Mais après, enfin, si tu prends en niveau sportif, vu la saison qu'on a passée, il faut faire le ménage d'un effectif. Il faut que tu changes les 3-4 en effectif pour repartir à zéro, pour repartir sur quelque chose de plus positif. Et niveau sportif, l'idée, ça serait ça. Bordeaux l'a déjà fait en 96, en finale de Coupe d'Europe. On sent qu'on est en fin de cycle. Tu as 20 joueurs qui partent, 20 joueurs qui arrivent. Mais c'était une autre époque. Là, maintenant, par rapport à ce qu'on voit sur le papier, je me demande comment on peut vendre ces joueurs-là déjà. Moi, c'est déjà ça qui m'inquiète, en fait. Du coup, je me demande qui voudra de ces joueurs et à quel prix. C'est-à-dire que Koundé, Oudem, pardon, effectivement, 7 millions. Non, tu le vends 2-3 millions. Pas plus, malheureusement. T'as, vu le contexte Un peu actuel, en plus, il plus, est jeune. etc. Ouais, mais vu le contexte, en plus derrière, Ouais. je sais pas s'il y a beaucoup Je de pense clubs en Ligue 1. à 4-5, tu vas trouver. Mais par contre, pas à ce salaire-là. Peut-être une équipe qui monte en Ligue 1, peut-être quelque chose, ouais, qui veut le joueur confirmé, Voilà. peut-être. Allez, dans ces cas-là, peut-être. Ouais. Mais après, même, enfin, je sais pas, il y a beaucoup de joueurs. Moi, je trouve qu'ils sont invendables dans tout ça. Donc, même si on veut recruter, si on veut renforcer l'effectif et tout, si on se retrouve avec 50 joueurs, comment on va faire? Ça va être un bordel pas possible, en fait, du coup. Donc, il va falloir trouver des portes de sortie. Alors, c'est là que les réseaux, justement, peuvent être intéressants, clairement. Parce qu'on sait que du coup ils peuvent s'arranger entre plusieurs clubs, etc., pour effectivement faire des transferts intéressants dans ce cadre-là avec des combinaisons un peu floues, mais au moins qui règlent le problème pour tout le monde. Mais voilà, moi je suis inquiet parce qu'on sait que ça fait des années qu'on a du mal à vendre certains joueurs, et là on se retrouve encore avec des casseroles à vendre, et là comment on va faire Ce quoi? qui fait peur, c'est les salaires. Parce que Oudin, tu pourrais le vendre. Mais si, comme tu dis, il y a un club qui monte, etc. Mais au salaire qu'il a à Bordeaux, jamais il part. Jamais il part. Et personne ne lui proposera un salaire de ce niveau-là en Ligue 1. On a Il vu de faut que tu arrives premier. à trouver. Ouais, ben, c'est exactement le même exemple. Donc ces mecs-là, ce n'est pas tellement la valeur marchande, c'est surtout avec les salaires qu'on leur a mis. Je pense que Madja, ça doit pas être. Je connais pas les salaires, honnêtement, mais Madja, ça doit pas être mal non plus. Donc, moi, c'est plus ça qui me fait peur qu'Ostiani, même si aujourd'hui tu veux t'en débarrasser ou pas, hein, j'en sais rien du tout. Mais qui va lui proposer salaire et est-ce que lui, il va accepter de baisser son salaire? J'espère. Mais enfin, bon, ça paraît compliqué. Ça va être le travail de cette nouvelle direction, de remodeler Ouais. l'effectif, de renégocier des baisses de salaire pour C'est ce que certains j'allais dire. joueurs. Ça, je pense qu'ils vont être obligés d'en passer par là. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les joueurs, dans ce contexte-là, où il y aura quand même, je crois, une exigence en termes de performance, pour, moi c'est ce que je pense, après on peut se tromper, il n'a pas encore détaillé le projet sportif, mais je pense qu'en termes de performance, il y aura de l'exigence. Ils vont jouer le haut de tableau parce qu'ils vont investir de l'argent, donc il y aura de la pression. Donc il y a des joueurs qui doivent se dire, oh, ben, on est peinard à Bordeaux, mais il va peut-être falloir qu'ils se bougent un petit peu plus les fesses, entre guillemets, pour gagner leur place et pour pas être enterrés à la fin de leur contrat et de rater un petit peu leur carrière. Alors après, il a des clubs satellites, il y a Mouscron en D2 belge, il y a Boavista en Liga NOS. Est-ce que c'est des clubs satellites ou pas? Par exemple, à Boavista, il y avait trois joueurs de Lille qui étaient prêtés cette saison. Donc, qui ont été prêtés jusqu'à la fin de la saison. Donc on peut penser que les joueurs de Bordeaux qui joueront pas pourront être prêtés dans ces clubs-là ou dans d'autres clubs. Mais moi, je vous rejoins, les gars, sur tout ce que vous avez dit. Je pense qu'il faut s'attendre à un gros renouvellement d'effectifs dès départ.
au moins 5, entre 5 et 10 départs, et autant d'arrivées pour réoxygéner ce groupe. Et quand on en parlait avec tous ceux qui avaient fait des projets de rachat là, pour le club, moi quand j'en ai discuté avec eux, tous, hein, ils s'accordent, hein, entre 5 et 10 arrivées. Hein. T'es obligé. Ah ouais. T'es obligé. Et des départs, tu peux pas faire autrement aujourd'hui. Sinon, c'est Ligue 2 hein, l'année prochaine. Hein. Oui, mais. Sportivement, hein, je parle. C'est sûr et certain. Bien sûr. Bien sûr. Bon, voilà. Dans quel état ils sont là, puisque c'est la reprise, les joueurs ça doit pas être facile là quand t'es joueur avec un coach et ce changement d'environnement de propriétaire du club. Vous pensez qu'ils sont dans quel état d'esprit? Moi, je crois qu'ils sont soulagés. Hein. Pas pour l'instant. Moi, je pense pas. Moi, je pense qu'il faut arriver pour l'instant à faire abstraction de tout ce qui se passe du côté extrasportif. C'est-à-dire que là, tu te concentres sur ton physique, en fait, en gros, et te dire être prêt, quoi qu'il arrive, quand le championnat va démarrer, que tu sois à Bordeaux ou ailleurs. Moi, je pense qu'il faut qu'ils se concentrent un petit peu sur eux, qu'ils se mettent un petit peu dans leur bulle. Tant qu'il n'y a rien d'officiel, malheureusement, c'est surtout ça que je dis. Tu as le coach qui est encore là. Oui. Il y en a peut-être beaucoup qui ne veulent peut-être pas continuer à travailler avec lui. Il faut se dire aussi, avec tout ce qui s'est passé l'année dernière avec Ben Arfa, etc., comment tout a été mal géré. Tu vas encore voir Roche aussi qui sera là. Enfin, tu auras plein de choses qui vont te rappeler un petit peu ce qui s'est passé la saison dernière. Donc, si tu ne te mets pas un petit peu dans ta bulle à te concentrer un petit peu sur toi-même, sur ton corps, sur ton physique et tout ça, je pense que ça serait compliqué de visualiser quelque chose au Girondin. En sachant qu'en plus, si le rachat se fait, ce qui semble être le cas, tu sais que l'effectif est censé être fortement modifié derrière en plus. Donc voilà, je pense qu'ils ont intérêt à se concentrer, malheureusement, j'ai envie de dire, mais je pense qu'ils ont intérêt à se concentrer pour l'instant sur eux, parce qu'ils ne savent pas trop ce qui va se passer pour la plupart des joueurs. Enfin, moi, je pense qu'il n'y a aucun joueur qui est sûr de rester, clairement, pour moi. T'en as qui cherchent déjà des portes de sortie, de toute façon, avec l'incertitude qui régnait au sein du club. Obligatoirement, ils ont leur carrière à gérer aussi. Hein. Donc, bien sûr, c'est plutôt normal. Bon, messieurs, apparemment, l'Espagne vient de se faire égaliser par la Croatie. À l'instant, on devait avoir Marc, il me dit, parce qu'il regarde le match de l'Espagne, grand fan du Séville Football Club, qui doit être avec nous. Il est en train de pleurer parce que l'Espagne, donc bon, il aura peut-être un peu de retard, mais bon, s'il y a la prolongation, il ne va pas passer du tout. Donc, bon. On va dire au revoir. Ah, Geoffroy, est-ce que tu souhaites ajouter quelque chose, Geoffroy, avant de nous quitter? Je suis d'accord avec l'analyse qui a été faite. Beaucoup de joueurs, juste pour revenir sur la grille que tu as fait, 75 millions à peu près. Si on le divise par les joueurs, on arrive à 3 millions à peu près par joueur. Il faut savoir que si on fait la même fiche pour un autre club, hein, qui est proche, Montpellier par exemple, c'est 6 à 7 millions par joueur. Voilà, donc c'est le double. Voilà. Parce qu'ils ont moins de joueurs. Non, 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 si on fait le même comparatif par rapport au même nombre de joueurs qu'on divise, d'accord, on arrive à 6 ou 7 millions. Donc, on voit la différence, hein, du simple au double. C'est aussi simple que ça. Mmh. Donc, il y a un gros, gros travail qui attend les deux Lopez, hein, d'ailleurs. Un très, très gros travail qui les attend. On leur souhaite bon courage. Mais même avec, on parlait d'arrivée de départ, avec, allez, on va dire, 3 bons joueurs et 3 joueurs en devenir, et on en élimine 10 à 12, ça fera largement l'affaire. Hein. Il ne faut pas oublier, hein. Il n'y a plus de Coupe de la Ligue, donc il n'y a que le championnat et la Coupe de France. Donc, ça suffira largement, pas besoin de rêver, de refaire un peu comme Boavista, avec 15 arrivées, ça ne servira à rien, puisque de toute façon, on ne fera qu'une compétition. Donc moi, je pense qu'avec 6 bons petits joueurs et une douzaine de départs, ça sera parfait. Comment on les fait partir, les joueurs sous contrat? J'ai vu un message passer sur le chat, il dit c'est bien joli, c'était ce que disait le chatter. C'est bien joli, mais vous faites comment pour les faire partir, les joueurs? Bon, le bon coin, ça marche bien. Hein. Moi, j'ai réussi à faire deux bonnes affaires dessus. Non, mais par exemple, je suis un peu surpris de la valeur d'un joueur comme Mara. Moins de 2 millions d'euros pour un joueur comme ça qui a quand même un gros potentiel, qui a une bonne réputation. Je suis surpris qu'il soit évalué qu'à 800 000 euros. Tu vois, par exemple. Il a fait quoi? Il a même pas. Non, mais tu sais très bien qu'Adli, on l'a acheté 5 millions, il avait fait aucun match ou peut-être 20 minutes en Ligue 1. Hein. Je sais pas si tu te rappelles. Il a déjà fait. Marat a déjà fait plus de matchs Adli quand ouais, on l'a mais, acheté. Mais à la différence près, c'est qu'Adli, il est international français. Dans les jeunes, ce qui n'est pas le cas de Marat. Ouais, mais Marat, il a une grosse réputation, apparemment. Donc après, c'est un joueur qui a une bonne réputation. C'est pour ça, je dis pas qu'il en vaut 5-6, hein, mais moins de 2 millions d'euros pour un joueur comme ça, je trouve que c'est un peu léger. Alors après, c'est peut-être qu'une impression que j'ai. Je suis peut-être faussé par rapport à la fin de saison qu'il a faite, mais je sais pas. Voilà, je me pose la question. Après, pour les faire partir, on revient à ce qu'on disait au tout début, c'est du réseau.
C'est-à-dire que quand tu as. Parce que, évidemment, tu gagneras peut-être pas d'argent sur le transfert, etc. Mais si tu as du réseau, tu vas pouvoir proposer ces joueurs-là à des clubs bien ciblés qui vont avoir besoin de ce type de profil et qui vont pas avoir des gros budgets. Alors, ce sera peut-être de la deuxième division, des choses comme ça, où tu vas dire écoute, c'est un joueur qu'on te donne gratuitement et tu nous donneras 5 ou 10% quand tu le revendras. Donc, on va repartir sur des systèmes comme ça pour se débarrasser de salaire, pour libérer des places. Mais enfin pour moi, c'est ce qui va se passer. Ces gens-là vont faire rentrer ces joueurs-là dont ils vont se débarrasser dans leur réseau scouting. Et quand ils proposeront trois joueurs à des clubs, ils leur diront bah, ça, c'est le pas cher et vachement bien, tu verras. Et puis, on va se débarrasser de Jimmy Briand. J'étais en train de regarder, tu vois, ta liste, mais Jimmy Briand, on y arrivera peut-être probablement. Quoique, tu vois, Jimmy Briand, typiquement, tu proposes un club moyen espagnol en deuxième division, au Portugal ou machin. Bah, il sera pris, hein. Tondela, ce sera très bien, hein, Et puis tu sais, si un club, si un joueur à qui il reste plus qu'une année de contrat trouve dans un autre club un contrat de 2-3 Mais ans c'est ça. moins payé, mais il compense sur la durée de son contrat l'argent qu'il ne gagne pas aujourd'hui en restant en Girondins. Donc avec un contrat moins bien payé peut-être chaque mois, mais plus long dans le temps, mais les joueurs, ils voient leur intérêt et sportif et financier et ils s'en vont. Donc c'est de la Puis attention, négociation, c'est du cas par cas, c'est beaucoup de travail. on en avait parlé, attention, 2022, beaucoup de fins de contrat. Donc il va falloir, ces joueurs-là, si tu leur fais pas confiance, il va falloir leur dire, bah, écoute, tu as plutôt intérêt à te trouver un club, parce que sinon tu vas rester là, et puis pour te trouver, tu vas pas jouer. Et puis pour te trouver un club, ce sera plus dur. Alors on va te payer, parce qu'on est dans l'obligation légale de le faire et que c'est normal. Mais si on compte pas sur toi, tu as tout intérêt toi aussi à te trouver un club. Ou alors à nous prouver que tu mérites une revalorisation, un nouveau contrat, etc. Donc, il faut faire attention à tout ça. Mais ça, c'est ce qui me rassure, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Le fait que ce soit une grosse structure qui arrive, ils savent gérer ça. Allez Geoffroy, on te remercie, on te dit à bientôt sur Web Girondin TV. Merci de ta Merci, Geoffroy. participation. Passe un bon match, hein, et allez les Bon Bleus. match, ouais. Émission et bon match et à bientôt. Au revoir, merci. Ciao, ciao. Allez Merci. messieurs, avant d'accueillir Thibaut Desjardins qui va arriver et Marc de Séville Football Club France qui m'a envoyé un message, il est au bout de sa vie là, Il est en PLS, ouais, je pense, ouais. avec à cause du match, du résultat Méfie-toi de que Lopez l'Espagne. On soit va pas énervé, lancer qu'il retire les billes. ce thème, nous, les infos, Mercato, Basic, Maja, Koundé. Messieurs, vous l'avez vu, il y a deux joueurs qui alimentent, qui commencent à alimenter la chronique transfert. C'est Thomas Basic, qui est pisté par le Napoli et par la Lazio. Plus récent, l'intérêt de la Lazio. Et c'est Josh Maja qui a une piste, une touche à Middlesbrough, club de Championship. Et il y a aussi Jules Koundé, dont le sort intéresse les Girondins de Bordeaux, parce qu'il devrait, on va avoir plus d'infos dans un instant, changer de club cet été. Et Bordeaux a 20% sur la plus-value de son transfert, 20% du montant de la plus-value. Donc on regardera ensemble vers quel club il peut aller. On commence par Basic, alors que je vois Monsieur Thibaut qui est là. J'accueille Thibaut. Salut Thibaut, bienvenue. Salut, bonsoir à tous. Salut. Monsieur Salut Thibault. Thibaut Desjardins, en direct de quelle région? Le Grand Est. Le Grand Est. Tu veux pas le dire ou quoi? Il a honte. Bon, faut pas avoir honte. Non, je pense. C'est bien. Attends, juste Nico, il faut féliciter Thibault déjà. Parce que Pour. Eh Thibault oui. va rejoindre le FC Papa. Ah oui, Ah oui. oui, bravo, Félicitations félicitations. Thibault, bravo. Merci. Je pense que c'est le plus beau transfert de ma vie, je pense. Et voilà. J'espère que tu n'as pas eu besoin d'Admar Lopez parce que. Non, non, ni de Frédéric Longuepée, donc ça Pardon, pardon. Bon, j'arrête. Mon Dieu. Aïe, aïe, aïe. Bon, on est passé à la rubrique transfert. Basic, tu veux dire quelque chose là-dessus ou on passe directement à Maja? Déjà, Basic, est-ce qu'on garde, on vend? On vend, on a besoin de sous. Basic, on vend. Maja. Josh Maja. Est-ce qu'on essaie du potentiel encore chez Josh Maja? Est-ce qu'il peut l'affirmer son potentiel au Girondin? Mais moi, comme j'ai toujours dit, Maja, c'est un bon joueur quand il a un deuxième attaquant à côté de lui. S'il est tout seul en pointe, il servira strictement à rien. Donc si t'as un coach qui arrive avec une nouvelle idée de tactique avec deux attaquants, pourquoi pas? Mais maintenant, la plupart des coachs ne viennent jamais avec deux attaquants de pointe. De toute façon, il y a beaucoup de joueurs sur les côtés, d'ailiers, etc. Donc voilà. Donc je pense que Maja, malheureusement, n'a
rien à faire en Ligue 1 et en tout cas aux Girondins. Peut-être une équipe, effectivement, qui jouerait avec des attaquants, une équipe qui monte en Ligue 1, peut-être quelque chose comme ça, où il pourrait peut-être vraiment s'imposer et confirmer et marquer sa quinzaine de buts comme il a été capable à Sunderland. Mais à Bordeaux, je pense que malheureusement, je pense que ça ne matchera pas. Voilà. Thibaut, si on Ouais, pense. je suis assez sceptique sur Maja. Bon, il n'a pas réussi à s'imposer. Et puis dans son prêt aussi, ça n'a pas été très concluant. Je ne sais pas s'il aura les capacités mentales d'aller s'imposer à Bordeaux, s'il en a l'envie d'ailleurs de rester. Et puis, oui, après, voilà, à voir quel coach Bordeaux aura la saison prochaine et quel est le plan de jeu. Voilà, tout simplement. Mais est-ce que Maja. Pourtant, il y a un boulevard devant parce qu'il n'y a pas grand monde hein, aujourd'hui à Bordeaux sur le front de l'attaque. Je mets un gros point d'interrogation et un petit bémol parce qu'il n'a pas forcément des éléments qui plaient dans sa faveur. Voilà. Ouais, moi je pense qu'il n'a pas envie. Je pense qu'il verrait d'un bon œil même de retourner en championship. Hein, Non. Il Maja. n'est pas spécialement heureux, j'ai l'impression, à Bordeaux, hein, déjà. Donc, Messieurs, on a crois que notre c'est ton invité niveau, qui est hein. là. Je le vois, il est en train de caler sa caméra. On va Salut les gars. l'accueillir. Salut Marc, bienvenue à toi. Merci les gars, comment ça va? Merci. Ben, ça va bien et toi alors, ce match Mieux que toi, j'attends Espagne-Croatie? extrêmement tendu, donc très difficile, très difficile, très 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 difficile. Bon. Voilà. Bon, c'est gentil d'être avec nous. On va pas te garder longtemps du coup, pour que Non, tu puisses aller pas de problème, pas de problème. regarder cette prolongation. Parce que tu supportes pas la France, tu supportes l'Espagne, toi. Non, j'ai la chance d'être binational, donc je supporte les deux Ah. équipes. Donc si les deux passent, voilà. Ouais, c'est un mot compliqué, hein. Ça sera très difficile pour moi, mais bon, voilà, c'est comme ça. Est-ce qu'ils peuvent se C'est comme rencontrer, ça. la France et l'Espagne? Je Oui, crois le tour pas. prochain, si, en quart de finale. Prochain tour. Prochain tour. Ah ouais, d'accord. Bon Marc, je te présente, tu étais déjà venu faire un talk, tu es responsable du compte Twitter Séville FC France, c'est Exactement. ça? Exactement. Tu nous avais fait une magnifique intervention l'année dernière sur Mariano, sur Koundé, et du coup je souhaitais que tu puisses revenir avec nous, parce que Jules Koundé, même s'il est plus joueur des Girondins aujourd'hui, il alimente toujours les discussions à Bordeaux, parce que Bordeaux suit de près l'évolution de son possible transfert, parce que Bordeaux est intéressé financièrement. Donc aujourd'hui, je te pose la question, est-ce qu'il va quitter le FC, le Séville Football Club? Est-ce qu'il va quitter? Ouais, il y a 99% de chances qu'il quitte le club. Ouais. Des infos que j'ai qui sont quand même. Voilà, je connais quelqu'un qui a des infos assez sûres. Ouais. Ouais. À mon avis, allez, il reste 1% de chances que ça se fasse pas, même si moi je prie pour que. On reste dans ces 1%-là, mais en toute logique, il va quitter le club. Mais après, encore une fois, ce qu'il faut se remémorer, c'est que avant, Séville devait absolument vendre tous les étés, etc. On était toujours dans la même rengaine. Il fallait vendre pour croître, etc. Et en fait, depuis que Monchi est revenu, on a absolument plus besoin. Donc là, Monchi n'a pas besoin de vendre Jules Koundé. Donc si on vend Jules Koundé, c'est parce que Jules Koundé veut partir et que financièrement, on a une offre qui s'approche de la clause libératoire qui est à 80 millions d'euros. Mais en toute logique, il va partir et voilà, même si à mon avis c'est une erreur, je pense qu'il va s'en aller. Et pour Une le erreur Real pour donc? qui? C'est difficile. Je sais que Madrid est intéressé parce qu'ils ont posé à peu près 50 millions d'euros là il y a quelques jours. Et bien évidemment, refus catégorique, hein. Il n'y a pas de discussion en dessous du montant de la clause libératoire ou lorsqu'on va s'en rapprocher. On parle d'un joueur qui est un futur joueur de classe mondiale. Donc moi, je suis très content que Monchi se positionne comme la personne qui doit décider de ce transfert ou non. Donc c'est clause libératoire où tu restes ici et ça fait du bien parce que pendant nombreuses années, on cédait, on cédait, on cédait. Et là, il vaut, à mon avis, 80 millions quand on voit les Maguire et compagnie qui sont vendus à ce prix-là. Pour moi, Jules Koundé les vaut, avec tout le respect que j'ai pour Maguire, mais... Il les vaut donc ouais, je pense qu'en Angleterre ça va commencer à chatouiller un petit peu. Je sais que Manchester United veut Varane, donc si ça se fait pas avec Varane, je pense que Jules Koundé était déjà l'année dernière la personne qui devait rejoindre la défense centrale. Pour moi, c'est une erreur s'il fait tout ça, sauf d'aller peut-être au Real. S'il va à Manchester, c'est une erreur. Pour moi, le meilleur des choix, Pourquoi? j'anticipe Pourquoi c'est une erreur? parce que pour moi, il est pas encore prêt.
à faire le grand saut, vraiment, c'est mon avis perso. Je pense qu'on sous-estime énormément l'apport de Diego Carlos dans cette paire de défenseurs centraux, parce qu'en fait, on parle beaucoup de Jules, mais on oublie absolument tout le temps qu'à côté de lui, il a quelqu'un qui est très, 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 très fort et qui est extrêmement sous-estimé. Et tant mieux pour nous, parce qu'il va prolonger d'ailleurs Diego Carlos. Donc, en fait, c'est une paire qu'on a recrutée. On n'a pas recruté un central plus un central dans le championnat de France. On a vraiment recruté deux centraux absolument complémentaires. Mmh. Et c'est ça qui fait que Jules Koundé évolue, en fait. C'est ça qui fait qu'il est bon. Moi, je pense que vraiment, et je l'ai toujours dit, c'est un cycle de 3 ans, à mon avis, pour qu'il devienne vraiment à maturité, qu'il prenne ce qu'il faut. Il est encore très très jeune. Est-ce que faire un grand saut dans un grand club comme ça, avec toutes les responsabilités qu'on va entendre de lui, je dis pas qu'il va pas réussir, c'est pas ça, mais est-ce que c'est le bon moment pour le faire, ou est-ce que tu peux encore une fois continuer à croître avec Séville, jouer le fait d'aller loin en Champions League, jouer encore la Liga comme il a fait cette année? Moi, à sa place, je sais que je choisirais sûrement de rester un petit peu. Il n'est pas pressé. Son contrat, il a un contrat de 4 ans et des brouettes. Il peut encore rester. Donc, moi, en tout cas, perso, d'un œil intérieur qui le voit jouer tout le temps, il y a encore certaines défaillances qui font que je pense qu'il a encore besoin d'un peu de maturité. Il ne faut pas oublier que Julen Lopetegui a fait quand même des choix forts cette année. Il l'a sorti face à Krasnodar en première mi-temps de Champions League, etc. Donc, il a encore des petites, à mon avis, des next steps à faire. On voit dans le match qu'il a fait face au Portugal, qu'il y a encore certaines choses qu'il doit continuer à apprendre. Je parle vraiment du très, très, très haut niveau. Là, on parle vraiment, si tu veux jouer au Real Madrid, c'est du très, très haut niveau. Donc, il faut être prêt tout le temps, etc. D'un œil intérieur, et j'essaie de prendre un peu de recul, je pense qu'il lui faut encore une année, c'est mon avis, à ce stade-là. Voilà. Il y a 4 Ouais, ça serait une bonne nouvelle pour toi, Marc. L'Espagne vient de marquer. Qui a marqué? Ouais. Morata. Je sais. Morata, ok. Ouais. Écoute. Je sais que ça se passe pas très bien pour lui, ouais, apparemment. Mieux vaut tard que jamais, hein. Ouais. Pour l'Espagne. But pour l'Espagne. Et c'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que nous, de Bordeaux, on n'a pas cette vision-là. On se dit, ouais, Koundé, c'est top, il va partir, il va s'imposer dans un autre grand club. Et tu vois, c'est super intéressant d'avoir ton avis. Je ne sais pas si vous, les gars, vous aviez cette vision-là ou celle que vient d'exprimer Marc. Ah oui, d'accord. Ah, bon, j'ai la même que lui. Alors financièrement, évidemment, ça nous intéresse, parce que vu la galère dans laquelle on est. Mais par contre, je voulais en parler, je suis très content que Marc l'ait dit, c'est Diego Carlos. Et Jules Koundé a le profil idéal pour être... je vais réduire le jeu de Diego Carlos à ça, mais évidemment, c'est pas péjoratif. Il lui faut un bastonneur à côté de lui. Un mec qui soit capable d'aller mettre des gros tampons, qui soit capable de mettre des gros tacles. Ouais, voilà, tu vois, ce genre de joueur un peu méchant. Tu m'aurais dit, il va au Real Madrid à côté de Sergio Ramos, il aurait beaucoup appris. Il va au Real Madrid à côté, par exemple, de Raphaël Varane, je trouve que c'est pas complémentaire. Je pense qu'ils ont un peu le même profil et que c'est moins bon. Et je pense qu'il fait une erreur en quittant Séville, parce que Séville, s'ils étaient qualifiés pour une Coupe d'Europe, si c'était un club qui réussissait un an sur trois, comme il y en a beaucoup en Espagne, à se qualifier pour les Coupes d'Europe, à faire une bonne saison, etc., oui, il aurait raison de partir. Là, il est dans un club où il a tout. Il a une place qui est assurée. Il y a quand même une Coupe du Monde aussi qui va arriver plus tôt que prévu. Donc, il y a quand même... s'il ne joue pas au Real, ça va être plus compliqué, hein, parce que la saison 2022 va arriver. Donc, voilà. Moi, j'aurais tendance à dire que Jules Koundé, pour son bien, doit rester à Séville au moins un an. Peut-être pas plus, et encore que. Il peut. Et que derrière, il aura les capacités. Après, l'Angleterre, je pense que là, ce sera une encore plus grosse erreur. Mais s'il doit partir, il faut qu'il reste en Espagne. On va pas trop te dire trop longtemps pour que tu ailles voir le match. Dernière question, et après je te donnerai. Non, avec plaisir, franchement, avec plaisir, vraiment. T'as dit, moi c'est ce qui m'a marqué. T'as dit, on n'a pas dans l'obligation de vendre. C'est la première fois cette année au FC Séville, on n'est pas dans l'obligation de vendre pour renouveler l'effectif et faire fonctionner le club. En fait, comment ça se fait? Pour te redonner du contexte, n'oublions pas que Monchi, il est resté, il est directeur sportif depuis fin de l'année 2004. Il est parti fin 2016, début 2017, tout simplement pour une simple et bonne raison, c'est que à l'époque, il reprochait en fait à José Castro de pas investir assez dans ses recrutements. Donc en fait, Cinco, ouais, c'est bon ça.
Ok. je coupe mon élan, mais ouais. Donc je disais, il avait vraiment reproché à José Castro de ne pas vouloir mettre assez d'argent parce que lui, il avait des idées d'avancer encore plus loin dans son recrutement, etc. Il était vraiment réduit au fait qu'il faille vendre ou il faille avoir un investissement maximal à chacun des postes. Donc en fait, il était vraiment limité dans tout ce qu'il devait, dans tout ce qu'il devait recruter. Donc en fait, là, depuis qu'il est revenu, qu'il a fait son expérience à la Roma, où effectivement, ça s'est bien moins passé qu'à Séville, mais quand il est revenu, il s'est assuré d'avoir certaines garanties financières, c'est-à-dire de pas être menotté comme il l'était précédemment financièrement. Donc, faut pas oublier que le club continue à croître et atteindre un chiffre d'affaires qui s'approche. Ben, on est dans un budget d'environ 300 millions d'euros, donc ça commence à être un club vraiment très intéressant. On n'y est pas encore, mais on va bientôt y arriver. Le fait d'avoir gagné l'Europa League l'année dernière dans la bulle sanitaire nous a ramené quand même pas mal de moyens financiers. On a encore été en huitième de finale de Champions League, on a été quatrième de Liga, donc tout ça, ça ramène encore un peu d'argent. Et derrière, en fait, si on doit vendre pour continuer à croître, Monti, il ne va pas vendre ses meilleurs éléments tous les ans, en fait. Hein. Il y a à côté des petits joueurs qu'on va pouvoir... C'est ça l'intérêt de Monti, c'est que lui, il continue à améliorer son effectif en vendant là où il espère... vraiment en fait pouvoir faire des plus-values, que ce soit financières ou sportives. Là, il y a eu un départ de pas mal de joueurs qui prenaient un petit peu de masse salariale, qui étaient en fin de contrat, Franco Vázquez, Sergio Escudero, entre autres Thomas Vašlík, etc., qui fait un excellent euro d'ailleurs avec la République tchèque. Et du coup, en fait, ouais, on n'est plus dans cette obligation d'à chaque fois devoir se couper un bras, recruter un joueur qui soit meilleur que le joueur que tu viens de vendre, enfin, en tout cas, essayer de recruter meilleur pour pouvoir avancer. Ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ça l'intérêt, c'est qu'on continue à croître. Et je crois que maintenant, il faut vraiment se rendre compte que Séville a passé la dimension d'être juste un club prometteur. On fait que de le prouver depuis 2 ans. On gagne l'Europa League, on va en 8e de Champions où ça passe vraiment ric-rac pour Dortmund au but à l'extérieur. Y a vraiment, on n'est plus du tout ce petit club comme tout le monde peut penser. Ouais, Séville, c'est sympa, ça va grandir. Non, maintenant, on est un très gros club d'Espagne. On s'est assuré, on était quasiment, on luttait pour le titre jusqu'à la quasiment dernière journée cette année. Donc, il y a la dimension de l'image, il y a la dimension du sportif, il y a la dimension financière. On n'est plus dans l'obligation de entre guillemets, se mettre à genoux devant les grands clubs comme on le faisait avant, quoi. Thibaut ? Non, j'écoute hein, et je suis assez content voilà, de ce qui est dit. Et pour moi, Séville, c'est l'exemple de modèle d'un développement parfait, on va dire, d'un club. Voilà, avec des bonnes idées au départ, pas forcément beaucoup de moyens au début de l'histoire, hein, mais des bons coups, ça active un réseau assez important et puis ça construit un modèle économique qui visiblement aujourd'hui est pérenne, puisque le club, comme tu disais, arrive un budget de 300 millions d'euros, c'est quand même assez exceptionnel. Alors les droits télé sont pas les mêmes qu'en France, il n'y a peut-être pas tous ces problèmes-là, mais le développement économique du club, les revenus annexes hors transfert à Séville ont explosé grâce à Monchi. Donc c'est aujourd'hui c'est un club, s'il y a un modèle aujourd'hui à suivre, on parle souvent du modèle allemand, il y a le modèle sévillan qui est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, rien que pour ça, je pense que c'est un modèle à suivre. Et à qui il appartient, le club de Séville ? Il appartient à José Castro, qui est le président du club. Enfin, ce n'est pas un système de sociaux à l'ancienne. Hein, ouais, il faut savoir que on n'est pas des sociaux. Hein, donc, il n'y a pas de sociaux à Séville, parce que en Espagne, il n'y a que le Real, le Barça et Bilbao, qui sont des clubs avec des sociaux. Mais en fait, il appartient vraiment, vraiment pas à une entité précise, à une personne précise. Le président du club, c'est José Castro. Il y a un conseil d'administration qui possède le club. Mais il n'y a pas d'investisseurs chinois, il n'y a pas de. C'est vraiment local, c'est sévillan. Et voilà, il y a un président. Pas de fonds d'investissement, quoi. Non, il n'y a personne. Pas de fonds d'investissement, tout ça, quoi. Non. Ah. Sinon, il y a Varela et Dagrosa qui cherchent à racheter un club, si tu veux. Ouais. C'est bon, ça va aller. On va le laisser avec Ulrich et Raquel. Ah, oui. Ouais. Oui. Ah oui. Ulrich est parti dans la rubrique Mercato. Est-ce qu'on va le remettre à Paris, c'est ça? Ouais, ouais. C'est bien avec ses relations féminines d'aller s'occuper du PSG féminin. Ah bah tiens. Ça m'a fait bien rigoler d'ailleurs, c'était très drôle. Oui, tout à fait. Nous on était.
On a, moi j'ai ri aussi. Voilà. Ah, mais c'est son ami Frédéric hein, qui l'a aidé. Vaut mieux en rire, hein, franchement. Vaut mieux en rire à votre place. Ouais. Mais en tout cas, ouais, même si on est transféré, même si Jules est transféré, les 25%, je crois que c'est 25 hein, qui vont. 20, ouais. 20, bah on est après c'est 20 plus des petites clauses par-ci par-là ça va quand même vous faire du bien. Après, si vous avez une petite pépite comme ça à proposer, moi je suis toujours preneur parce que bon la connexion Bordeaux-Séville historiquement on a Loris Benito, mes chers. Ouais, on a mes chers aussi. Benito, et c'est franchement bon, tu pas, hein. mes chers, je te l'amène si tu veux. On peut être sérieux les gars. Non, et les gars, c'est un ami, ok, pas ça. Quand même. Ah ouais. À un moment donné, déconne pas. Ah, il a eu Mariano, il a eu. Ah ouais, Mariano. Trémou, ouais. Ouais, et Krychowiak aussi. Krychowiak. Ouais. Non, mais ouais, en tout cas, moi je suis pressé de savoir. Je pense qu'après l'Euro, ça va se décanter très 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 rapidement. Oui. De toute façon, ouais. Parce que Monchi, lui, il veut pas se retrouver dans une situation où il doit attendre dans les derniers jours du mercato, sûrement pas pour un défenseur central. Pour Isto, pour ceux qui ne le savent pas, ça s'est passé avec Sergio Ramos à l'époque où il était transféré au Real Madrid, où c'était dans les deux derniers jours du mercato où ça s'était fait. Il avait dû recruter dans l'urgence des centraux. On a fait une saison. Assez compliqué parce qu'il avait recruté des défenseurs qui n'étaient pas forcément des centres de métier, mais après il avait dû bricoler, etc. Donc il ne reproduira jamais les mêmes erreurs, c'est certain. S'il doit partir, il partira vite. Bon, ben merci Marc, je te retiens pas plus longtemps. Merci beaucoup pour ton éclairage. Avec plaisir, tu nous as amené un point de vue qu'on n'avait pas, donc merci à toi. Et merci à vous, je les mettrai gars. Dans commentaire le nom du compte Twitter si vous êtes sur Twitter pour suivre toute l'actu que tu gères. Autour du club sévillan. Allez, avec salut, plaisir. Salut. Merci à vous, les gars. Bonne soirée. Bonne soirée. À pour bonne fin de match. Ciao, les gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Bon, voilà, on a eu un point de vue différent, hein. Intéressant. Culture différente aussi au niveau du club. Bon, vous voulez ajouter quelque chose? Pas de socios, non. C'est pas obligatoire pour s'impliquer dans la vie de son club d'être socios. Tout à fait, exactement. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Juste une petite précision par rapport à quoi? La vente du 25 millions, c'est ça, Séville, si je ne dis pas de bêtises, non? Ouais, c'est ça. Ouais. Plus 20%, s'il part pour 4 millions, ça fait 16 millions, ça fait 41 millions d'euros à l'arrivée. Finalement, plus c'est. Formation et. Ouais, voilà, donc c'est pas. Alors, qu'est-ce c'est pas que le t'as cas dit du siècle. C'est-à-dire qu'on l'a vendu 25 millions. S'il part pour 80 millions, on touche 20%, ça nous fait 16 millions. Non, on prend 20% de la plus-value. Donc, plus-value. Ah, c'est la plus-value. Ah, de la plus-value, oui. D'accord. C'était 12 ou un truc comme ça qu'on prenait. Ouais, on prend environ 10 millions d'euros. Ouais, ça ferait 35 millions d'euros. Bon, ça va, on s'en sort pas trop mal, même si ça aurait pu être mieux. Mais s'il était resté à Bordeaux, il aurait quelle valeur aujourd'hui? Il en vaudrait 20. Bah... Une caisse de vin de Château Gloria. Ouais, c'est ça, le pauvre, il se serait enlisé cette saison. Ça aurait été pareil, il aurait perdu énormément de valeur. Donc, voilà. Allez messieurs, on va aborder le dernier thème de cette émission puisque l'émission a débarré à 19h si vous nous rejoignez. A démarré à 19h. Vous êtes plus de 300, presque 400 sur YouTube, plus de 400 tout réseau confondu. Envoyez-moi du like, abonnez-vous à la chaîne YouTube et si vous voulez nous soutenir, je vous mets le lien pour devenir sociaux. J'ai envie d'avoir Thibaut là, t'es avec nous. C'est quoi ton sentiment sur le club, la vente là? Ça fait longtemps qu'on t'a pas entendu. Qu'est-ce que t'as envie de dire avant qu'on aborde la situation des NCG? Bah déjà dire que je suis assez soulagé de voir que enfin on a un potentiel repreneur, puisque rien n'est fait encore. Hein, mais au moins on a quelqu'un qui a passé la première étape, à savoir convaincre la banque Rothschild. D'entrer en négociation. Maintenant, je dois avouer que je suis quand même assez inquiet par rapport au personnage, hein, Gérard Lopez, son passif à Lille, son passif dans d'autres clubs. Et puis voilà, la prochaine étape avec la DNCG qui certainement aura besoin de plus qu'un numéro de claquette pour être convaincu cette fois-ci. Donc il va falloir certainement encore patienter et être on va dire serrer tout ce qu'on peut serrer pour y croire, en espérant que ça passe, parce que c'est quasiment même c'est notre dernière chance de toute façon pour éviter un désastre. Donc voilà, mais après si on voilà, je suis assez énervé par rapport à la situation du club, parce que c'est des choses qui étaient anticipées, attendues depuis longtemps, qui avaient été dites.
Et voilà, et donc aujourd'hui on en est là avec potentiellement 270 salariés ou 300 salariés sur le carreau, des sous-traitants, voilà, une histoire, un club antique qui risque de disparaître parce que certains s'en sont servis comme voilà, comme d'un vulgaire jouet. Donc voilà, c'est. Mais bon, on va espérer que l'avenir s'annonce un peu plus radieux. Voilà. Alors, l'avenir immédiat, c'est quoi? C'est le passage devant la DNCG, c'est la Direction nationale de contrôle de gestion des clubs de la LFP, des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, de tous les clubs pro. Donc, pour les clubs pro qui sont en national, ils sont aussi contrôlés. C'est un organe qui contrôle tous les ans les finances des clubs et qui peut les sanctionner. Donc, à quoi s'attendre pour les Girondins de Bordeaux? Je vous fais juste un topo hein, et après, bon, on en discute. Il y a déjà eu un premier rendez-vous téléphonique entre Gérard Lopez et Jean-Marc, je sais plus, Miclerc, le président, le directeur de la DNCG. Demain, mardi, il y a un rendez-vous entre l'ancienne direction et la DNCG. Et il est sorti dans les médias il y a quelques jours, il y a 2 jours, que cet organe pourrait prendre une décision et de reléguer à titre conservatoire en Ligue 2 les Girondins de Bordeaux. Donc, à titre conservatoire. Pourquoi? Parce que cette ancienne direction va présenter un bilan financier où les comptes ne seront pas remis à À zéro, zéro. capitaux propres. Voilà. Alors qu'ils s'y étaient engagés lors des précédents rendez-vous. Donc King Street, hein, on parle de King Street. Un passage de Gérard Lopez devant la DNCG est prévu le 2 juillet, vendredi, pour qu'il présente son projet et ses engagements pour le club, et un nouveau passage avant le 13 juillet pour valider définitivement le projet de reprise de Gérard Lopez et donc également la participation des Girondins de Bordeaux au championnat de Ligue 1. Voilà aujourd'hui ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus, quoi? Ça fait un peu peur quand même, même s'il ne faut pas avoir peur et même si on contacte l'entourage du dossier Lopez, ils te disent qu'ils sont confiants, que ça travaille et qu'il n'y a pas à s'inquiéter. Voilà. Oui, juste, enfin, ce qu'il faut préciser en plus, c'est que parallèlement, il y a deux calendriers. Il y a le calendrier de la DNCG et le calendrier de la vente, qui sont deux calendriers qui sont pas forcément en plus. Enfin, tout doit être fait dans le même temps, mais ça n'avance pas à la même vitesse. Voilà. Donc, c'est là où ça rajoute en plus une complexité au dossier. Voilà, le timing est quand même assez serré pour présenter des garanties, puisque la DNCG va regarder trois choses principales. Le plan de Gérard Lopez pour assainir les comptes, puisque la DNCG va demander à ce que les comptes, enfin le club soit assaini avant tout démarrage de saison. Donc, quel est son plan pour réduire la masse salariale, pour réduire tout ça? Les garanties bancaires de Gérard Lopez, est-ce qu'il va arriver à mettre, enfin, est-ce qu'il a les garanties des fonds qu'il avance dans son business plan? Et enfin, la troisième chose, c'est est-ce que le club, par exemple, qui a un besoin de financement entre 60 et 70 millions d'euros pour la saison, est-ce que cet argent est garanti au moins par Gérard Lopez? Donc ça fait quand même beaucoup de garanties, très peu de temps pour les obtenir, et une DNCG qui a certainement connaissance, et de toute façon qui a connaissance du passif de Gérard Lopez à Lille, et certainement ça pèsera aussi dans la balance. Donc il va falloir que notre ami Gérard soit très très convaincant et surtout ne soit pas voilà, n'avance pas des choses qu'il n'a pas. Oui, bon, après, qu'est-ce que ça vous inspire, Joe, Patrick, sachant que, à mon avis, si le nom de Admar Lopez est sorti, c'est aussi pour montrer que ça avance et rassurer les gens par rapport à ce passage-là et ce qui risque d'être annoncé. Parce que quand on va voir dans les titres Bordeaux relégué à titre conservatoire en Ligue 2, ça va nous faire bizarre quand même. Enfin, moi, ça va me faire bizarre. Oui, même si Parce c'est normal, même finalement. si c'est normal et qu'il ne faut pas s'affoler. Donc ça inspire ça. Non, mais moi, je l'ai dit la dernière fois dans la FAQ, je suis pas très inquiet parce que Gérard Lopez, avec tout ce qui est là comme casserole éventuelle, parce que faut, voilà, je pense qu'en finance, c'est loin d'être un imbécile et c'est quelqu'un qui sait gérer. Je vais redire ce que j'ai déjà dit, mais
pourquoi il aurait été s'embarquer dans ce truc-là en sachant que derrière, il passerait pas la DNCG. Donc sur cette année, moi je suis très tranquille. De toute façon, vu que c'est des emprunts, donc il aura les fonds, etc., 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 parce que ça a déjà été calculé par son équipe, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il voulait un passage DNCG le plus tard possible pour avoir le maximum d'infos. Il avait redemandé, alors j'ai plus le nom en tête, auprès de la banque Rothschild, d'affiner les finances. Il y avait un nom spécifique à ça. Enfin, pour moi, financièrement, il n'y aura pas de souci à se faire sur ces passages-là. Après, oui, c'est sûr qu'ils vont le voir arriver en lui disant « fais pas un pas de côté ». Maintenant, là où il faut que la DNCG aussi va devoir être conciliante, parce que si nous, on tombe, combien il y en a qui tombent après nous? Parce que je veux bien que nous, on soit vraiment le pire exemple de la Ligue 1, mais cette année, il y a beaucoup de clubs qui ont souffert. Donc, s'ils veulent pas faire un championnat à 8 être difficilement solvable, il va falloir que la DNCG aussi accepte certaines choses. Et je pense que en plus, c'est pas que le cas Bordeaux, mais je pense que les pouvoirs publics, comme ils le font pour toutes les entreprises, parce que nous, on parle de notre sportif et de notre club, mais Thibault l'a rappelé, à Bordeaux, c'est 240 emplois minimum qui sont menacés, mais dans les autres clubs, s'ils se font saquer aussi par la DNCG avec des encadrements de masse, etc., c'est aussi ces salariés-là qui vont trinquer ailleurs. Donc, voilà, il y aura trop de casse sociale pour que la DNCG soit exemplaire et qu'elle veuille montrer les dents, quoi, à mon avis. Joe, t'es serein? Parce que quand l'entourage de Gérard Lopez te dit « oui, vous inquiétez pas, on travaille, on est serein », et il a raison. Et il a raison. S'il arrive là, c'est qu'il a des billes. Donc, Mais c'est pas vraiment moi, comme je l'ai dit depuis le début, c'est pas vraiment ces mois-ci qui m'inquiète. Moi, c'est plus l'année prochaine. Parce qu'on sait qu'ADNC doit être consignante cette année. Ils ont des consignes par rapport à ça, effectivement, parce qu'il y a beaucoup trop de clubs qui sont en galère par rapport aux droits télé, Covid, etc. Il y a trop de choses qui ont fait que, du coup, le football français va mal, que beaucoup de clubs ne peuvent pas respecter leur engagement. Donc, c'est comme ça. Et l'ADNCG en a conscience. Maintenant, ils ont quand même raison de s'intéresser quand même au cas Girondins de Bordeaux. King Street, qui déjà ne respecte pas ses engagements du début. On peut comprendre par rapport au contexte, mais bon, il y a quand même une lettre d'engagement, etc. Donc voilà. Alors, en plus, il y a une rumeur qui dit que King Street va prêter de l'argent à Lopez pour le rachat. Donc tu te dis, est-ce que du coup King Street ne prête pas ces fameux 20 ou 27 millions d'euros là qu'ils avaient engagés justement, et que Lopez ou Girondins ne vont pas devoir les rembourser derrière? Tu te poses la question aussi par rapport à ça. Donc tu dis, si c'est le cas, King Street, tu vas encore avoir l'ombre de King Street qui va planer au-dessus de Bordeaux pendant encore 3-4 ans parce qu'il va falloir les rembourser. Fortress, c'est décalé jusqu'à 2025. On va encore avoir Fortress aussi pendant encore 4 années. Donc tu te dis, il y a beaucoup de choses en fait, malheureusement, beaucoup de problématiques, t'as l'impression qu'ils vont rester. Lopez, en plus, on sait qu'il y a une enquête par la DNCG qui est en train d'être menée auprès de Lille. Par rapport, non, pas la DNCG. C'est pas la DNCG. Hein. Alors, ils s'y sont impliqués apparemment maintenant. Non, parce que Lille est observée par rapport à leur situation financière actuellement. Oui, mais Lille, la chance qu'a Lille, c'est qu'ils ont fini champion et en Ligue des Champions, ce qui leur assure. Oui. C'est pour ça que derrière ce qu'on dit, Lille, il ne faut pas oublier quand même que la première année de Gérard Lopez à Lille, il passe au bord de la banqueroute totale. S'il n'avait pas réussi à renégocier les prêts qu'il avait contractés et effectivement la réussite sportive que connaît le LOSC aujourd'hui, Lille est dans la même situation que les Girondins de Bordeaux, hein, il faut le savoir. Hein. On inverse les positions et aujourd'hui on a un problème, on n'a plus de problème Bordeaux, mais on a un problème Lille. Je pense qu'on a les deux. Si Bordeaux est champion et en Ligue des Champions, il n'y a pas de problème à Bordeaux. Il n'y a pas de problème. Non, voilà. Mais après, il y a beaucoup de choses qui font que je pense qu'effectivement la DNCG malheureusement a raison de se pencher sur les Girondins de Bordeaux et bien sûr. Et va savoir effectivement tout ça parce que tous ces montages financiers, etc. Et à un moment donné, effectivement, il faut que ce soit surveillé. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que King Street et Fortress risquent de planer encore au-dessus de Bordeaux pendant encore quelques années. Donc cette année, m'inquiète pas spécialement, mais d'ici un an ou deux. S'il faut rembourser tout ça, parce que Fortress, il va falloir les rembourser en 2025, à un moment donné. Lille, c'est pareil, comme tu dis, effectivement, il a réussi à décaler effectivement les dettes, mais à un moment donné, il va falloir les payer aussi, les dettes. Donc, malheureusement, ils n'avaient pas prévu non plus tout ce qui se passe actuellement aussi, Lille. Donc, c'est normal qu'ils soient aussi surveillés. Donc, il y a plein de choses qui font que tu te dis, méfiance quand même, pas cette saison, mais l'an prochain, il va falloir quand même rendre des comptes différemment. Il va falloir aussi rembourser le prêt de l'État qui a été fait pour les clubs, etc. Donc, voilà, c'est pas la vente des joueurs qui va compenser tout ça, il va falloir trouver aussi d'autres moyens. Il n'y a pas que les joueurs qui vont pouvoir compenser tout ça. Bon, messieurs, on ne peut pas dire grand-chose de plus sur la DNCG. On verra demain déjà, à l'issue de ce premier entretien, si une décision sera prise par
cette commission. Après, ce qu'il faut dire aux gens, c'est que la décision d'une relégation à titre conservatoire, elle est logique, puisque, comme tu le disais, le bilan qui va être présenté par Frédéric Longuépée, puisque c'est lui qui est aujourd'hui en charge encore, va être ultra déficitaire. Et en face, les recettes ne suivent pas et il n'y a pas de remise à zéro de la part de King Street. Donc forcément, alors si Bordeaux n'avait pas été en processus de cession, évidemment que la relégation à titre conservatoire n'aurait pas été à titre conservatoire. Mais voilà, donc la première étape, elle est jouée d'avance. Maintenant, toutes les billes sont entre les mains de Gérard Lopez et sa capacité à assurer et avoir les fonds et à convaincre la DNCG du bien fondé de son projet, enfin du bien fondé, de la viabilité de son projet économique. Et c'est là où tu te dis King Street, ils auraient quand même pu combler les fonds là une dernière fois et se rattraper sur la vente pour éviter peut-être cette mise, cette sanction à titre conservatoire. Quoi. On a bien compris leur intérêt. Ici, ils peuvent gratter un maximum d'argent. Quoi. Voilà, ouais, c'est ça. Donc, jusqu'au bout. Hein. C'est pour ça que je me dis, ça m'inquiète s'il y a encore King Street qui perd au-dessus de nous. Moi, c'est ça qui m'inquiète aussi grandement. Bon, messieurs, on terminait là-dessus. Voilà. DNCG, merci de nous avoir suivis. On aura parlé de foot, d'effectifs, de recrutement, de mercato et un peu de DNCG. Mmh. On se retrouve jeudi à 19h pour la FAQ. Je me fais vacciner le jeudi, donc j'espère que je serai en forme. C'est la première. Non, mais c'est le lendemain où tu te sens, parce que je crois que ça met 12 heures à peu près ou un peu plus. Ah bon t'inquiète, moi les deux m'ont rien fait. La première, rien. La deuxième, j'étais complètement mort. La deuxième, donc... Ah ouais ah oui. Moi, c'est la première. Bon. Ah bon. Moi, j'ai rien eu. Voilà, je salue Gino qui n'a pas pu être là ce soir. Je salue Conan aussi qui est en vacances et aussi Samuel. Sur le chat, il demandait beaucoup de nouvelles de Conan et j'ai vu. Donc voilà, j'ai vu, c'est pour ça. J'y pense maintenant. J'ai pas eu le temps de voir tous vos messages et d'y répondre pendant l'émission. Merci Thibaut. Bon, c'était court, hein, Thibaut. Oui, on reviendra en deuxième semaine. Voilà. Exactement. Allez, messieurs, bonne soirée. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne le petit lien pour devenir sociaux si vous le souhaitez. Et je vous donne rendez-vous jeudi. Allez, les bleus, alors. Allez, les bleus. Allez, ciao. J'envoie le générique. Ciao. Bye bye. Ciao, bonne soirée.